Et bonjour à tous, bonjour à toutes, ici le Don Alex. J'espère que vous allez bien en ce mardi 24 novembre 2020. Il est encore le tôt, enfin pour beaucoup peut-être. Il est que midi, effectivement, il est que midi. On est actuellement en réveil à moitié présent. En termes de réveil de mon côté, puisque je me suis levé à 11h et que j'ai dormi à 8h30, donc j'ai dormi pas beaucoup. Mais bon, je devais me lever quand même tôt, donc en vrai, finalement, ça va pas changer grand chose. Prums, oh là, encore une fois, mais moi t'es Prums. Salut, le love et les bisous, comment tu, moi je suis réveillé, moi ça fait plaisir de te voir. Comment s'est passée ta matinée, tu es réveillé depuis combien de temps? Est-ce que toi aussi tu as dormi beaucoup ou pas beaucoup comme moi? Moi qui a dormi que 2h30, mon cher Emile-moi. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, le cher beau et mignon Emile-moi, c'est juste une personne d'amour qui fait beaucoup de jeux, notamment Anundra et plein de jeux incroyables, les copains. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, c'est le principal aujourd'hui. Il faut être en forme pour suivre ma fatigue, sinon vous n'avez pas suivi ma fatigue du tout. Non mais j'essaie de voir si tout se passe bien. Si jamais je suis trop fatigué, évidemment, j'arrêterai, mais normalement ça devrait le faire. Les 2 heures devraient passer très vite, surtout à vos côtés, avec des belles personnes comme vous. Ces 2 petites heures, ou ces 2 grandes heures, comme vous le souhaitez, seront au plaisir de les faire, vraiment, je vous le dis. Et comment vas-tu, mon cher Emile-moi, sinon? Comment vas-tu? Comment s'est passé ta matinée? Depuis combien de temps tu réveilles, mon cher Emile-moi? Est-ce que tu travailles en télétravail, ou est-ce que tu es en pause du midi? N'hésite pas à nous le faire savoir, mon cher Emile-moi. Et comme vous pouvez voir, du coup, on est sur Zelda Oracle of Ages ce midi jusqu'à 14h. Bisous, mon les amours. Et ben toi, tu vas finir en lune de miel avec moi. Hein. Ah, ben ça fait plaisir de te voir, mon cher Emile-moi. Plein de bisous d'amour à toi également et plein de love. Ça fait plaisir de te voir à chaque fois au taquet comme ça quand tu débarques en plus. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Faut le dire qui est. Bon, on va faire un rappel du planning, les copains. Aujourd'hui, Zelda. Jusqu'à 14h à peu près en moyenne. Peut-être qu'on finira plus tôt, peut-être pas. Peut-être qu'on finira à 14h pile. On verra la fatigue aussi. C'est la fatigue qui va jouer surtout sur le live d'aujourd'hui. En vrai, je voulais vraiment faire les lives. Mais j'aime pas annuler les lives. J'ai horreur de ça. Sauf si vraiment j'arrive pas à tenir le coup. Là, ça va. Je suis pas en mode chaos. Donc, je pourrais faire le live. Hein. Dans tous les cas, je viens quand même que de me réveiller il y a pas longtemps. Donc, c'est pas comme si j'étais fatigué en être crevé. Peut-être plus tard, je serai fatigué dans la bonne journée. Et je ferai une petite sieste au pire. Donc du coup aujourd'hui, Zelda Oracle of Ages, demain on ira sur du apprendre ou à laisser, l'émission numéro 4, avec un ou une candidate qui sera à nos côtés pendant une petite heure environ, une petite heure et quart, une petite heure et demie, dépendra de comment joue le ou la candidat ou candidate de demain. Du coup, n'hésitez pas à être présent à 17h ou 16h45, j'ai quand même demandé la confirmation de la personne qui sera avec nous demain, donc... le gars ou la dame qui sera avec nous demain, en tout cas, faut que j'aie la confirmation, voilà. Donc du coup, il y aura ça demain, puis du Kingdom Come Deliverance, évidemment, ce sera sur du 17h-20h, le live environ, on va dire, à peu près. Bon, j'essaierai d'être en forme pour pas être fatigué à 16h-là, parce que du coup, là, vu ma fatigue d'aujourd'hui, je vais devoir récupérer le sommeil, ce sera déjà une chose à faire aussi. Donc on verra ça d'ici demain. Et ensuite, jeudi, il y a un live, je vous mettrai sur le planning de demain. Jeudi, il y a un live, je live pas ce dimanche, je live ce jeudi. Et du coup, jeudi, on se fera du coup Uncharted 4, et non pas samedi. Donc là, je n'ai pas encore mis dans le changement du planning, mais notez-le quelque part, puisque dès demain, il y aura le changement qui sera fait sur le planning. Donc jeudi, il y a un live à la place de dimanche, et ce sera Uncharted. On finira notre semaine avec un 3 heures de live à peu près, ou voire plus, le samedi, on se fera un jeu exceptionnel ensemble, les copains. Notez-le, c'est unique. Et j'ai réfléchi en me levant, en me disant tiens, on va peut-être faire ça comme ça, ce sera peut-être mieux. On se gardera le dimanche pour se reposer, et peut-être le lundi, qui sait. Il faut encore que je contacte aussi la personne de la semaine prochaine pour lui apprendre ou à laisser de la semaine prochaine. Donc j'ai encore du flou sur le planning de lundi, donc je sais pas si je vais faire 2 jours de repos ou pas cette semaine, dimanche et lundi, on verra ça. Et du coup, ben samedi, il y aura un live, 21h minuit, je ne sais pas encore sur quoi, on verra ça, sûrement sur un one shot, peut-être sur du Fall Guys ou du Genshin Impact, je ne sais pas encore, ce sera la surprise de la semaine, ce samedi du coup, il n'y a pas d'Uncharted, le planning est faux. Voilà, je vais vous le dire avant qu'on me dise ton planning il est faux. Je vous le dis en vocal.
Donc du coup ça c'était pour les annonces du planning évidemment, comme d'habitude, les petites annonces du jour. Et évidemment je vous rappelle qu'il y a les votes en cours pour le prochain Let's Play qui remplacera ce jeu d'aujourd'hui, ce Zelda Oracle of Ages. Donc il y a dans la liste des votes Link's Awakening qui est largement en tête des votes, suivi de très près, non quand même pas, suivi de près ou pas très près, on va dire près, par Zelda 2. Puis après nous avons du Telltale Games Game of Thrones, nous avons du Pandemonium numéro 1 et du Guacamelee 2 sur PlayStation. Donc n'hésitez pas à voter, c'est vous qui décidez le jeu qui remplacera du coup Zelda Oracle of Ages. C'est vous les chefs de ces votes, c'est vous qui décidez, hein, les copains, c'est vous les maîtres, voilà. La vérité c'est vous les maîtres là. Faut, à un moment faut arrêter les conneries 5 minutes, hein. C'est vous les maîtres ou pas, là c'est vous les maîtres de ces votes, c'est bon. Et du coup, je vous rappelle également que vous avez des jetons sur la chaîne. Ça, je vous rappelle parce que pour l'instant, mon personne a les 50 000 au moins pour acheter un truc dans la boutique. Mais je vous rappelle que vous pouvez, vous les giveaway, entre vous, on va dire, les giveaway, les donner, les échanger. Donc, n'hésitez pas à atteindre 50 000 en vous trafiquant votre argent. N'hésitez pas à vous le faire, hein, vraiment. N'hésitez pas, n'ayez pas peur d'une personne ici, tout le monde est gentil. Même si vous connaissez pas la personne, vous vous dites, bah, est-ce que ça ne dérangerait pas si on fait un échange parce que j'ai un jeu à proposer à Alex ou quoi. N'hésitez pas, n'ayez pas peur des gens. On est tous des copains sur la chaîne. Personne, si vous voyez qu'il y a une personne qui répond mal à une personne par rapport à ça, bien sûr, je vais dire doucement quoi. On s'est calmé. Je mettrai un mini avertissement. N'inquiétez pas que vous venez de redemander. Il n'y a pas de mal à demander de l'échange de jetons. Et pour ça, ça vous permettra d'acheter un objet, ou non, un objet, un jeu en vrac ou un one shot dans la boutique du Don. N'hésitez pas, vous cliquez sur la boutique, vous dépensez vos jetons mafieux et vous avez. Et oui, et vous avez bien un jeu en vrac à proposer ou alors un one shot à proposer pour un futur live prochain. Et en parlant de ça, si vous voulez voir du jeu d'horreur avant Noël, un live d'horreur même je dirais, vous avez le défi communautaire qui est présent. Ça s'appelle le défi de l'horreur entre guillemets, le défi que j'ai appelé soirée horreur sur la chaîne de 3 à 4 heures. Voilà, merci, mais moi qui fais un exemple justement de la commande account, merci beaucoup. Et du coup, si vous voulez voir un jeu d'horreur, les amis, dans les défis communautaires des points de chaîne, ça reste sur 16 jours encore. Bim, 20K, c'est pas mal, c'est pas mal. T'es presque à la moitié de ce qu'il faut pour un jeu en vrac à proposer ou quoi. D'ailleurs, moi qui m'a proposé Barbie, je crois, sur la DS, que j'ai mis de côté, hein, évidemment, que j'ai mis quand vous avez cliqué sur les jeux de souffrance, la liste des jeux de souffrance, non, dans jeux de souffrance. Hop, attendez, hop, quand on est dans le jeu de souffrance, les amis, et que vous cliquez dessus, 40 000 points de chaîne, vous voyez une liste incroyable de jeux. Et dessus, il y a Nintendo DS Barbie, non disponible pour le moment, évidemment, puisque du coup, je n'ai pas encore la possibilité de le faire. Mais dès que j'ai au moins le Shadow, on pourra peut-être au moins se le faire cette fois-ci. Oh oui, Barbie DS, on a hâte. Bah, ce sera à toi, bien sûr, de l'acheter derrière. Parce que moi, en fait, j'ai mis en deux étapes pour être sûr que. Que les gens, bah justement, ils dépensent des points de chaîne pour me faire faire ça. C'est qu'il faut mettre un jeu dans la liste de souffrance et après l'acheter si vous voulez voir sur la chaîne. Et là, du coup, il y a les jeux de souffrance et la liste des jeux de souffrance. Hein, ne pas confondre. Quand vous mettez dans la liste, vous mettez un jeu et quand vous mettez un jeu de souffrance, et ben vous l'achetez pour que je me le réalise d'ores et déjà d'avance. Voilà. N'hésitez pas à aller checker ça. Évidemment, pour le défi communautaire, n'hésitez pas. Il reste 16 jours. On a 17%, je crois. On a déjà 17%. Il reste encore 16 jours, si vous voulez me voir sur un jeu d'horreur, n'hésitez pas, c'est vous qui dépensez vos points de chaîne comme vous le souhaitez, c'est vous qui organisez ça à votre SAUCE. Et d'ailleurs, en parlant de points de chaîne, les copains, demain, lors de l'émission Apprendre ou à laisser, j'ai décidé d'instaurer quelque chose que beaucoup d'amis streamers et streameuses ont déjà instauré, et nous, on va le commencer demain. On va faire un premier test demain. Ce sera une prédiction. Une prédiction pour vous faire gagner des points de chaîne, vous les faire perdre vos points de chaîne. C'est nous les chefs. Du coup, vous pourrez demain choisir. Donc du coup, je vous le dis de suite. Demain, je vais vous mettre une prédiction de points de chaîne. Vous pourrez miser d'ores et déjà dès demain quand il sera présent. Si le candidat partira avec une boîte dorée ou une boîte bleue, ce sera vous qui décidez. Et à la fin de l'émission, évidemment, si le candidat repart avec une boîte bleue, même l'offre du banquier, ça compte comme une offre boîte bleue ou boîte dorée. Donc dans tous les cas, il est obligé d'en partir avec l'un ou l'autre, à moins qu'il y ait un plantage PC. Donc dans tous les cas, vous allez gagner soit l'un, soit l'autre, et ce sera vous qui décidez. Et je vais voir si je peux pas régler pour pas vous gagner non plus 100 000 points de chaîne en un truc comme ça. Sinon, bah, moi je suis tout baisé quoi à la fin. Donc on verra pour régler ça du coup demain. Et je regarderai de mon côté en off pour voir comment ça se passe. J'ai jamais fait de prédiction encore sur la chaîne. C'est tout nouveau.
C'est tout nouveau, c'est Twitch qui l'a instauré il n'y a pas longtemps, les prédictions. Et nous, on va tester ça dès demain sur l'émission. Après, on va essayer avec le candidat ou la candidate. On verra si elle ou il repartira avec une boîte bleue ou une boîte dorée. Ce sera vous qui décidez avec les prédictions points de chaîne. Donc, ce sera la première fois que vous pourrez gagner des points de chaîne de votre côté. Voilà. Ceci étant dit, les copains, j'ai mis une petite goutte. J'aurais dû mettre ma caméra, je ne l'ai pas mis dès le début, je la mets maintenant. Voilà, en plus je l'ai pas activé ma caméra, donc du coup, vous ne verrez pas de suite ma caméra. Voilà, je ferai vous le prévenir, ma caméra n'est pas de suite affichée, voilà, hop. Voilà, la petite scène un petit peu pas réglée en mode à l'arrache, que je n'ai pas encore réglé du tout. Attends, je vais régler ça pour la Game Boy, hop, la Game Boy, raffiche-toi, voilà. Et je vais mettre ma caméra, les copains, attendez 2 secondes, le temps que je la réactive et que... Voilà, vous connaissez un peu le topo, hein. La caméra, c'est une caméra pas de PC, donc du coup, il faut que je la remets, etc. à chaque fois. Et du coup, là, il va l'activer. Hop, regardez, hop, attendez, c'est pas bien réglé, c'est cool. Hop, voilà les copains. Et donc, du coup, le salut, le love et les bisous, j'espère que vous allez bien. Et il faudrait que je pense à activer avant le début de live la caméra, parce que du coup, j'ai pas mis pendant ma scène de début, et ça, c'est dommage. Ça c'est dommage, il y en a peut-être qui sont en train de pleurer en mode Aldon Alex, il est où là? On le cherche depuis très longtemps, là, il est où? On le recherche tous, mais bon, il est là. Aldon Alex il est devant vous, regardez, c'est bien moi. Ce n'est pas un fake, c'est pas une fausse personne qui est devant vous, c'est bien le Don. A-L-E-X, le grand, le beau, le mignon, émule-moi. Non, il fallait pas le mot du tout, moi je suis juste les... Non, on va pas dire ça parce qu'on va faire un grand gueule après. Ok, go. On est parti donc du coup pour du Zelda, on était dans la caverne des Gorons, on a commencé à explorer un peu les lieux, en mode « Oui, bonjour les Gorons !» Et on fait « Je vais chercher ta magie !» Ça c'était mon clip. Ah j'aime bien, depuis que j'ai vu ce clip, j'ai trouvé la voix pour les Gorons exacte. Hein. J'espère que vous trouverez un petit peu de kebab. Voilà, ça c'est la nouvelle voix des Gorons, hein, la voix que vous... Je sais pas si vous aimez bien cette voix-là. Hein. Moi je la fais, mais après je sais pas si vous kiffez ou pas. Hein. Moi je teste. Hein. Moi je suis pour tester, hein. Je vous le dis la vérité. Je suis le mode. Je suis le bêta testeur des voix. Hein. Si jamais il y a un problème avec la voix, vous me le dites et je change la voix dès à présent. Voilà. Mais je pense que cette voix-là, vous l'aimez bien tous. C'est la voix des Gorons. C'est une voix que j'ai trouvée en parlant comme ça, par hasard. Et du coup, je crois qu'elle est adoptée pour le Goron. Voilà. Ça, c'est la nouvelle voix des Gorons. Hein. Alex, on t'aime. Mais arrête, aimez-moi. Mais qui se va pas? Mais tu veux. Mais tu veux encore qu'on fasse une lune de miel ou ça se passe comment? Arrête, tu veux que mon cœur il explose de bonheur? Eh ben tant pis, vas-y. Explose-moi de bonheur et mets-moi de cœur. Mais moi aussi, je vous aime. Ça me fait plaisir de vous avoir vraiment. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir une commune aussi gentille, aussi sympathique, aussi enthousiaste que ça en fait. Et vous voyez, j'ai dormi 2 heures et pourtant on dirait même pas, je suis autant en forme qu'un live normal. Hein. C'est juste que j'apprécie d'être avec vous en fait. C'est ça que j'aime bien dans les lives que je fais, c'est que je le fais avec amour. Bon, il y a une fois de temps en temps par malchance où voilà, je suis un peu fatigué, mal dormi, mais bon, ça, si je le fais, non, je n'arrive plus maintenant. Et là, dans ces cas-là, je dis pas des choses. Enfin, je suis un petit peu dans le mode faut pas faire de live quoi. Mais ça va, en ce moment, c'est cool. Ça me fait plaisir de live avec vous et ça me fait plaisir que vous ayez en forme, que vous rigoliez entre vous aussi des fois. Des fois, vous me surprenez quand vous rigolez entre vous là, comme ça, là, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez passé des bons moments par la suite, sachant que j'ai des projets sur la chaîne, hein, je préfère vous le préciser. Bon, je vous parle au début de tout ça, comme ça on finit sur tout ce que j'avais à vous dire, pendant qu'on joue un petit peu et qu'on cherche la suite de l'aventure. Sachez qu'il y a 2-3 trucs que je voudrais faire. J'essaie de faire un petit peu une fois tous les 2 semaines. Donc les gens en vrac passeront peut-être à une fois 2 semaines. Une semaine, une fois 2 semaines, une semaine. Et par moment, je ferai du coup des lives. Alors, ce sera pas tout le temps. Il y aura des lives où je ferai un soir spécial copain. Où ce sera pas une émission à prendre ou à laisser. Ce sera pas une émission avec l'univers. Ce sera juste des copains. Les copains, là, ça sera vraiment des copains streamers, surtout en priorité. Des fois des viewers. Où je ferai un live spécial avec eux sur un jeu qui leur ressemble pas mal en gros. Ce sera une dernière idée que j'ai eue. Genre par exemple, je sais pas, avec une moi, on va se faire une soirée Zelda, j'en sais rien, ou Alundra 2, et ce sera là pour parler pendant 3 heures, ce sera peut-être un jeu multi ou pas forcément, hein, peut-être un jeu où il me commentera. C'est des autres idées qui m'arrivent, hein, j'ai des petites idées par-ci par-là, là j'évite d'avoir des idées d'émissions, parce que les émissions, en fait, il y a pas mal, c'est déjà pas mal. Apprendre ou à laisser, plus Quiz Theme, ce seront les 2 émissions sur ma chaîne en 2021, et peut-être des émissions d'event, etc. Mais bon, ça, ce sera comme tous les streamers, ils font des events, etc. Ce sera pas dans mon.
Alors, on les a appelés les. Alors, on les a appelés les vols au vent. Alors, c'était. Oui, non, c'est les bouches à la reine. Et nous, on les a appelés les vols au vent. Ça y est, on a décidé du nom lors d'un vote. Ce ne sont plus des têtes de chips. Ce sont des vols au vent. Voilà, pour ceux qui se posaient encore la question il y a quelques années, comment on les appelle maintenant ces créatures? C'est les vols au vent. C'est terminé, les têtes de chips. Ça, c'était en. C'était là, il y a 2 semaines. C'est fini. Le premier qui appelle tête de chip, ben j'engueule quoi. C'est pas vrai, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Hein. Moi j'aime bien appeler vol au vent. Ça ressemble plus à une bouche à la reine, ouais. Hop, le vol au vent, en fait, c'est ce qu'il y a dans la bouche à la reine. Voilà. C'est ce qu'on m'avait expliqué du coup. Les copains sur le stream me l'ont expliqué lors d'un des derniers lives. Le dernier live qu'on a fait d'ailleurs, je crois même on les a appelés les vol au vent. Voilà. N'hésitez pas à se donner des noms à des personnages, etc. Je peux voir ta destinée, esprit bon, montre-moi tout. Incroyable, je te vois donner une boisson énergétique à un goron endormi. Ah, une boisson énergétique à un goron endormi. Est-ce qu'il y a un goron qui est endormi? Il faut chercher un goron endormi du coup. Ça, c'est une quête. Bienvenue, tu es le cinquième danseur gracieux. Voici ma salle de danse. La danse goron est super à la mode chez nous, chez les jeunes, pardon, dans le vent. C'est génial! Tu veux danser, c'est Jeremy! Non. Non, parce que je crois que je n'ai pas trop le moment de danser. Nous recherchons à qui on peut donner, du coup, la Gorona. La Gorona. La Gorona. La Gorona. Non, c'est pas le Corona, c'est vraiment la Gorona. Regardez, je vais vous montrer le nom exact pour ceux qui ne croient pas. Ça s'appelle la Gorona. Attendez, ça s'appelle comment? Elle est où? Voilà. La Goronade, voilà. La Goronade. C'est un mélange de grenade et de corona. C'est la goronade. Et le goron. C'est un triple mélange. Ok, il faut que je trouve le goron qui est endormi. Ah, attendez, hop. On va essayer d'utiliser le grappin un peu partout. La gorona bonne bière. Exactement, moi je fais un mémoire, écoute. C'est ça la tactique en fait, c'est que c'était une bonne bière. Effectivement. Hop. Ah, un goron endormi là. Les gorons s'occupent de leurs frères. Oui. Ah non, c'est pas ici qu'il faut aller? Peut-être ici, hein. Ah, avec le panneau! J'avais regardé ça, je me suis renseigné un petit peu pour être sûr de ne pas faire de conneries. Il y a un mini-jeu ici à faire, ici. Et c'est lui qui veut donner la Gorona, je crois. Ah bah c'est lui alors! Ah, de travailler si dur ces derniers temps, j'ai pas envie de jouer. Et j'ai enterré après aussi, oh bon, cette goronade! Une gorgée et c'est reparti! Tu veux bien m'en donner? Oui, bah bien sûr. Attendez, on n'a peut-être pas le son du jeu, les copains. Vous n'êtes pas le son du jeu? Ah, n'hésitez pas, hein, si vous n'entendez pas le son du jeu, faut me le dire, les copains, parce que du coup, moi, vous savez, je ne fais pas toujours. Ok, excusez-moi, il n'y a pas le son du jeu, je vous ai mis le son du jeu. C'est bon, tout est réglé. Voilà, excusez-moi, du love à vous. Voilà, plein de bisous également, ça me fait plaisir. Désolé, j'ai oublié de regarder pour le son du jeu, là, c'était fait. C'était réglé, c'est magnifique. Alors, oui, maintenant. Je suis bien réveillé, merci. Je vais ouvrir une boutique. Tu veux essayer mon jeu? La première partie est offerte, veux-tu essayer? Allez, on va essayer, la première partie, allez. Bien sûr, veux-tu écouter les règles, bien sûr, parce que là on connaît pas les règles du jeu. Non mais on a le meilleur son. On a le meilleur son ta voix. Merci, mais moi arrête. Arrête d'être aussi gentil comme ça, voyons. Parce que ce soir, ça va finir en lune de miel une 15e fois. Alors je vais lire les règles, excusez-moi les amis. Je bois une petite goutte parce qu'en vrai j'ai encore des remontées acides et ça me fait mal. Ça c'est depuis mon réveil, là, je sais pas tout à l'heure, j'ai que les remontées acides, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et... Enfin ouais, c'est pas grave. Alors, quand la partie commence, esquive les bombes qui tombent. Voir combien de temps tu peux rester. Tu vas gagner un prix génial si tu restes jusqu'au bout. Plein de bisous à toi, Emile, moi, du love et des bisous, merci encore. C'est trop gentil de tout ton love que tu donnes, mon ami. Et si tu fais toucher, tu échoues, ok? Oui. Ok. Cette fois, le prix sera ceci. T'es prêt? Oh, c'est la clé sirène! C'est la clé sirène! Bah voilà, c'est ce qu'on voulait! Pour Ok. Alors, il faut esquiver les bombes. Voilà, faut pas prendre de dégâts. C'est l'objectif du but. C'est le but du truc. Voilà, ça va être plein. Oh là là! Oh là là! Oh, je suis perdu! Oh là là, magnifique! Oh, tu as été touché! Dommage! Oh mon dieu, c'est quoi ce truc? Ah, je crois que j'ai gagné là! Encore un outil pour Jeremy! Oui. Cette fois, le prix sera ceci! Hein? Ah, j'ai pas gagné le prix! Mais c'est trop dur un truc! Faut-il combien de temps? Attendez, parce que là, c'est impossible là, de gagner en vrai. Waouh! Ok. On regarde surtout d'avance l'ombre! Hop, 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 là-bas, 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 là-bas!
des boss en fait. Incroyable. Oh c'était chaud en fait. Ah en vrai il fallait juste tourner mais très très vite. Voilà ton prix. Ah ouais, on peut utiliser les bottes de Pégase les gars. On peut utiliser les bottes de Pégase, j'ai pas pensé. Je sais pas si on peut en avoir le droit ou pas mais j'aurais pu les utiliser. Vous obtenez la vieille clé. Sirène. Encore un essai pour lui, Ruby. Non, c'est mort. Tu ne veux pas? Reviens quand tu veux. Cette voix de Goron, elle est magnifique en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Je l'ai bien trouvé cette voix là. C'est moi qui l'ai inventé, hein. J'ai vraiment copié sur personne, je l'ai inventé moi-même cette voix, j'ai juste trouvé. Un truc qui sonnait bien avec les Goron, une grosse voix grave, et je sais pas, je la trouve bien. Personne ne l'a fait cette voix là. C'est quoi que c'est vrai, je crois que... Enfin, il y a des gens qui ont fait presque un truc similaire dans le monde, hein, impossible. Hein. Peut-être un américain ou quoi, mais franchement, j'ai copié sur personne quoi. C'est pas le Pokémon dans Zelda. Ah, mais c'est cool. Mais c'est bien, on a une caisse sirène quoi. Pokémon dans Zelda. Il y a un Pokémon, t'avais un Pokémon mon cher moi. Pas fait gaffe. Alors, on y va. On rentre dans cette grotte. Bonjour monsieur le Goron. Alors, nous, il faut qu'on aille du coup. Non, pas ici du tout. Enfin, si, c'est là. Il faut qu'on aille. Alors, je vais vous montrer, il faut aller où les copains. Je sais, il faut aller où entre guillemets. Voilà. Hop, son coup d'épée. Esquive, voilà, évidemment, ça fait toujours plaisir. Alors, nous, il faut qu'on aille vers le bas. Hop. Et il faut qu'on aille au niveau de la caverne de la sirène afin de donner ce magnifique présent. Attendez. Alors, c'est où la grotte exacte? Hop, attends, j'esquive tout ça. Oula, je prends des petits dégâts. Les volovants, ça va, il faut pas chier les volovants en vrai. C'est vraiment des créatures sympathiques. Hein. Ok, normalement, c'est ici. Normalement, c'est ici, voilà, c'est ici. Alors, si c'est dans le bon monde là, oui. Alors, est-ce que c'est la bonne clé? Oui, GG. Ok, niveau 6, la grotte sirène, les copains. C'est parti. Il ressemble à un Pokémon, celui-là. Ah ouais? Ah bah écoute, j'aurais jamais capté. C'est... Toi, tu as quelle version? Tu as or et argent, c'est ça, mon cher ami? Moi, tu as joué une autre version, j'ai pas fait gaffe. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus, tu vois. Ok, les copains, c'est parti. Let's go. Le donjon sirène est à nous. On est prêt pour ça dans le donjon aujourd'hui, ça va être magnifique. J'espère qu'on va faire au moins, on va le faire en pas 2 heures, le donjon. Ok, les serpentards qui sont là. Ok, on va prendre le cœur. Ah, il faut perdre un cœur, hein, les flammes. Ok, comme ça on a récupéré ici. Alors il y a deux portes, il y a celle de droite qui vient d'ouvrir, il y a celle de du haut. On va prendre celle de droite. Hop. On a les palmes, on peut pas aller dans l'eau. Ok. Ok, c'est le donjon de l'eau, je crois. Hein. Donjon sirène, l'eau. Je comprends même pourquoi ça s'appelle le donjon sirène, il y a beaucoup d'eau. Ça sent le donjon avec plein d'énigmes avec de l'eau et tout, ça va être cool. J'aime bien l'eau en plus, de base. C'est mon élément préféré d'ailleurs, parce que je savais pas. L'eau. Enfin, c'est pas parce que je sais pas. Mon Pokémon préféré c'est de l'eau. Mes donjons que j'aime bien dans les jeux c'est de l'eau, même dans les Zelda. J'aime pas me croire. Ok, c'est fini au bout là. Y'a pas une clé ou quelque chose? Non? Non, ok, c'était juste pour montrer qu'il y avait une tendue d'eau. Voilà. Écoutez, pourquoi pas. Par contre, l'araignée qui me suit là, ça va être relou, hein, ça. Arrête! Oh, font chier à m'attaquer comme ça là. Ah, y'a plus de cœur, évidemment, une fois qu'on a récupéré les cœurs, après les cœurs ne sont plus présents. Les pots sont vidés. Nous pourrons plus faire capot. Plus moyen de faire capot. D'ailleurs, bientôt, les copains, j'essaie de faire, comme je disais, des jeux un peu avec tout le monde. Et j'essaie bientôt de faire un live spécial jeu d'échecs, etc. Ouais, c'est varié. Avec des copains ou quoi, j'essaie vraiment de varier un peu aussi les esprits encore plus que d'habitude. Moi qui aime bien tout type de jeu en plus, ça fait vraiment plaisir. Hop, alors attendez, hop, on va essayer d'attaquer ces sorciers, les sorciers d'émulation. Voilà, c'est Émule-moi qui nous attaque. Et non, Elcor, pardon. Elcor. Oh, coucou mon cher Amphir, salut, du love et des bisous. Comment vas-tu mon cher Amphir aujourd'hui? Ça me fait plaisir de te voir. Plein de love à toi, comment tu vas le beau Amphir? Empire! Ceux qui connaissent pas Amphir, c'est quelqu'un de sympathique, c'est un des premiers viewers de la chaîne et il est gentil et bien Angers et il est sympathique comme tout. Voilà. Est-ce que je t'ai bien présenté? Est-ce que je t'ai bien présenté mon cher Amphir? On pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire mieux qu'accueillir un viewer aussi sympathique. Jamais vu un viewer aussi sympathique en plus que Amphir qui démarre avec plein de love à chaque fois. Donc plein de love et plein de bisous. Oh, coucou mon cher Diemsax. Coucou le beau Diemsax, comment tu vas? Mais comment il va celui-ci? Le salut, le love et les bisous. C'est un plaisir de très plaisir de te voir mon cher Diemsax. Plein de bisous et plein de love à toi. Comment tu vas mon cher Diemsax? Comment il va le copain le bras droit? Ça me fait plaisir de te voir. Du love à toi à foison. Et les copains, si vous connaissez pas Diemsax, je suis désolé mais
Je suis désolé. Hein. Et on fera prochainement des lives, n'inquiétez pas. Mais en tout cas, donnez-lui du love au mieux possible. Et si vous aimez bien ce qu'il fait, mettez un petit follow. Il va falloir prochainement des lives. Et je vous donne plein de bisous, mon cher James Sack. Comment tu vas, mon cher James Sack? Ça fait plaisir. Et salut, Todd Fighters. Comment tu vas? Mais c'est incroyable, vous arrivez tous en même temps. Vous arrivez à la queue. C'est quoi? C'était. Dégalégata. Oh ouais. Au bal. Tous au bal donné. Parce que le donné, vous voyez. Voilà, c'est un jeu de mots de merde, je suis désolé. Alors, j'ai pas mis le jeu en cours aujourd'hui, excusez-moi. Ne m'en voulez pas. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Je n'ai pas mis le jeu en cours. J'aurais peut-être dû le mettre quand même. Voilà. Comment vous allez, tout le monde? Sinon, comment ça va en fire? Mais ça va super en fire, écoute. Plein de love à toi aussi, en fire. Commencez pas, hein. C'est vous qui prenez du love là, c'est pas moi qui vais en prendre ici, hein. Ok? Hein? Mais Enfier me suit. Ah non, mais Enfier il connaît tous les copains. Évidemment, Enfier il connaît tous les copains, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on l'aime trop. Il est juste d'amour, ce Enfier. C'est pour ça que je suis obligé, hein. Enfier, le peu de fois que je le vois, il faut que tu donnes du love quand je le vois, quoi. C'est normal. Il le mérite 100 000 fois, quoi. C'est une carte du donjon. On sélecte pour l'afficher. Les zones sombres sont les endroits inexplorés. Et comment tu vas, mon cher Jamesax? Ça va super, Jamesax. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de te voir, mon cher Jamesax. En tout cas, plein de love à toi. J'espère que t'as passé une belle matinée, que t'as bien pu dormir, que t'as bien pu te reposer. J'ai dormi 2 heures, les copains. Je suis levé il y a pas longtemps et j'ai levé 8h30, 10h50. Voilà, ça c'est ma nuit. 8h30, 10h50, c'était ma nuit. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'était ma nuit. Ben, petite nuit, hein. Faut dire la vérité, c'est une petite nuit, hein. Mais bon, j'ai bien dormi en tout cas. Merci pour le SO, mais merci à toi, Jamesax, de donner déjà beaucoup d'amour et d'être le viewer le plus fidèle, on peut le dire, à l'heure actuelle, sur la chaîne. C'est le viewer le plus fidèle. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent, bah, on ne voit pas beaucoup, bah si, vous voyez beaucoup, c'est le plus fidèle, Jamesax. Et on l'aime, notre Jamesax. Perso, ça va super, je suis en train de manger devant ton stream. Ah bah, bon appétit à ceux qui mangent devant mon stream, régalez-vous d'amour, surtout, ne mettez pas de ketchup à côté de vous. Hein, évitez s'il vous plaît de mettre du ketchup. Si vous mettez un petit bavoir, ça va, vous êtes des enfants, hein. Un petit bavoir, ça que 2 heures. Ah ouais, bah ouais, de toute façon, non, Zelda, je fais pas beaucoup d'heures de live dessus. Uncharted, il y aura 4-3 heures d'Uncharted jeudi. Jeudi, on fait à 21h, 21h minuit peut-être, ou peut-être en journée, je ne sais pas. Et du coup, ben voilà, du coup, c'est pas des gros lives sur les Zelda. Les Zelda, ça restera un petit temps de live, voilà. Je prendrai un tout petit temps de live sur Zelda, en fire et j'en présent. Et ça fait déjà plaisir. Ça fait déjà plaisir. En plus, j'ai beaucoup de choses là, que je fais hors live. Donc, je fais pas énormément de live, j'avoue, ces derniers temps. Mais j'essaye aussi d'attendre mon Shadow pour faire les plus grosses heures de stream. Parce qu'on peut essayer au bout de 3 heures, des fois. Voilà, pas pour les jeux là, hein, mais je parle plus quand c'est Among Us, même Among Us, hein. Quand c'est Among Us, des petits jeux comme ça par-ci par-là, mon PC des fois il fait la petite tête comme ça et la mine elle fait hop. Donc du coup ça va, je mange dans ton live, merci Todd Fighters, c'est bien de te voir Todd Fighters aussi également. Du love et des bisous à toi. Perso ça va super, je suis en train de manger dans ton stream, c'est vrai que j'avais lu. Que 2 heures, ah ouais bah désolé. Mais peut-être qu'on dépassera si je suis pas encore fatigué, je ferai peut-être un petit 2h15 ou quoi, on verra. Bah du coup ça peut aller, j'ai quelques minutes tranquilles, du coup je suis passé sur Twitch, j'en profite pour jouer aussi. Ah bah oui, joue bien mon cher Jamesax, régale-toi sur les jeux vidéo. Moi évidemment je vais m'acheter des jeux pas prévus de base et que j'ai envie d'acheter. Comme je disais, bientôt on va faire de nouvelles émissions en 2021 les copains. On va aller sur du... attendez, je vais regarder ce qui se passe si je clique, attendez. J'ai observé les copains, je vais mettre ici, j'observe ce qui se passe. Ok, je peux aller là-bas. Ok, je vais regarder où je pouvais aller si je faisais ça. Alors là-bas, je prends pas de risque pour l'instant. On va faire ça comme ça. Voilà. Alors, attendez. Hop. Voilà. Là, c'est bien. On va aller ici, du coup. Alors, t'inquiète, je mange sans sauce. J'aime pas la sauce. Ah, bah ça va. Ça va. Est-ce que t'as pas une seule sauce que tu aimes bien? Je sais pas. Poivre, sauce blanche, comme dans les kebabs. Sauce samouraï. Sauce sel. Ça peut être une sauce, hein, de sel. Ça permet d'assaisonner. Là, je vais regarder 2 lives cette nuit de cuisine. J'ai regardé les lives de Domingo qui fait ses Top Chef. J'aime bien. J'avais pas vu la seconde saison. C'est le 6ème donjon, effectivement, de Jamesax. On arrive à l'avant-avant-dernier. Il reste encore 2 après celui-là, j'étais me renseigner. Et quelqu'un parmi nous qui s'appelle Karsten, je crois. Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Qui m'avait dit qu'il me restait encore. Qui avait 8 donjons, je ne sais plus qui c'était. Et il avait raison. Il avait raison et il reste bien encore 2 donjons après celui-ci. Alors du coup moi c'était la graine magique. Elle est où la graine magique, c'est celle-là? Ouais, la graine mystère, voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le beau lui? L'odeur plaît au monstre. Ok. Ok, je sens qu'on va trouver la bonne pierre à pousser pour attaquer les créatures. Vous sentez pas aussi les copains là?
Alors attendez, t'inquiète, je mange sans sauce. T'aimes pas les sauces, je rencontre rarement des gens qui partagent ton opinion. Bah écoute, c'est. En vrai, comme on dit, chacun ses goûts et ses couleurs, s'il faut. En fier, il aime bien comme ça. Et peut-être que c'est bien comme ça, finalement. Après, moi, j'ai toujours mis de la sauce comme tout le monde, mais s'il faut, des fois, sans sauce, c'est pas mal. Hein. C'est vrai qu'après, la sauce, c'est un goût qui se rajoute. Oh, t'as faire quoi là? Oh là, faire quoi les copains là? Attendez, j'aime pas trop ce qui se passe là. Hein. Non, non, non. Ah oui, peut-être avec ça. Non, je peux pas traverser avec ça non plus. Y'a pas de moyen de traverser. Attendez, y'a un truc qui me titille un petit peu là. Attendez. Attendez les copains, je vais un petit peu. Hop, c'est bizarre quand même. Hop. Alors, non, rien, zéro sauce. Ah bah écoute. Oui, je suis particulier. Ah bah non, tu as ton goût. Tu as tes goûts, mon cher enfant. Moi, tu sais, c'est jamais moi qui jugera quelqu'un pour ce qu'il aime bien. Ou même si par exemple, y'a un jeu que j'aime pas et qu'on me dit, bah moi j'aime bien. Et bah, moi, ça me dérangera pas. Ça ne me rejoint pas plus que ça en tant que peut-être que la personne a vécu une autre histoire d'amour avec ce jeu que je n'ai pas pu vivre. Par exemple, je pense à je sais pas, Zelda 2 ou peut-être des autres jeux de ce type. Des fois, des gens ils ont une autre histoire, hein, je ne sais pas, c'était leur premier jeu de leur enfance ou plein d'autres trucs de ce type. Alors, je comprends pas trop ce qu'il faut faire, peut-être pour plus tard. Peut-être qu'on aura un arc ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas trop encore pour le moment. Ça reste encore mystérieux, les copains. Alors, attends, je vais mettre ici. Ok, dans le sens où peut-être il faudrait que j'aille. Alors, non, ok. Je joue beaucoup à Quake 3 en ce moment. Ah, Quake 3, écoute. Pourquoi pas? Quake, j'aime bien. Quake, ça va être sympathique, hein, Quake. Ok, alors j'ai trouvé une tactique normalement. Attendez, hop. J'ai trouvé une tactique. Alors, attendez, ce serait se mettre ici. Voilà, ici. Alors, attendez, c'est ici, je crois, exactement. Aïe. Voilà, c'est ici. On va aller voir la porte de gauche, du coup. Alors, du coup, je vais vous lire juste après, les copains. Excusez-moi, j'essaie un petit peu aussi de comprendre. Alors, d'un côté, ça me va plus mal, car la plupart des sauces sont grasses, c'est vrai. Non! Je suis avalé par la main. Oh non, j'ai horreur des mains dans les jeux de Zelda. Bon, t'as fait pause, du coup, je vous lis. Hop. Ouais, c'est vrai que les sauces sont grasses. Hein. Quand j'ai demandé à ta cause, j'ai demandé sans sauce, elle a bugué toute la cuisine du snack. Ben, tu leur dis, écoutez, messieurs, dames. Regardez, je vous fais un petit discours, voilà. Tu vas redire comme ça, tu vas mettre les mains comme ça, tu vas dire. Écoutez, messieurs, dames, il se trouve que quand je suis né, du coup, on m'a toujours dit la sauce c'est gras. La sauce c'était pas bon pour la santé. Et j'ai toujours voulu manger mes plats sans sauce, justement. Et c'est pour prendre soin de ma santé. Parce que du coup, la matière grasse dans le corps n'est pas forcément bonne. Ça peut provoquer plus tard des petits problèmes de santé. Et j'ai toujours voulu prendre soin de ma santé. Donc il faut comprendre un petit peu que beaucoup de personnes ne vont pas forcément manger des sauces. Voilà. Et là, ils vont peut-être te dire, waouh, ce Amphire, il est tellement. Il est tellement fort, quoi, en fait. C'est juste le boss. Enfin, moi, j'aurais été vendeur de tacos, j'aurais dit, Amphire, t'es le boss, voilà. Et Amphire, écoute, 20 sur 20. Je dis oui. Voilà. Pourquoi pas. T'inquiète, Amphire, je mange sans sauce aussi. Ah, bah voilà, tu vois, il y a par exemple Todd Fighters qui rejoint l'opinion d'Amphire. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, hein, des fois. Hein. Des fois, vous êtes surpris, des fois sur Twitch ou d'autres endroits où vous dites ah, bah, je suis le seul à regarder, je sais pas, ce jeu-là, ce film-là. Et là, tu dis ah, bah, non, je suis pas le seul finalement. Zelda, c'est plus fort que toi, ça roule, Alex. Salut le beau Elcor, le salut, le love, les bisous. Quand tu vois le sorcier d'émulation, bah, t'as rencontré tout à l'heure Elcor pendant une partie de jeu. On a vu un sorcier, justement, j'ai pensé à toi. Vu que c'est un jeu rétro et que c'est un sorcier, j'ai pensé à Elcor. J'ai dit ah, bah, y a Elcor, le sorcier d'émulation, parmi nous. Y a pas très longtemps, y a quelques minutes, on a croisé les sorciers et. On t'a croisé du coup, je pensais à toi, tu vois, mon cher Elcor. Et quand tu vois Elcor, est-ce que mon cher James Sack, tu es toujours là ou si tu n'es pas là, est-ce que tu pourrais. Ça te dérange pas si on veut faire le SO. Hein. Je vais faire le SO, donc prends-toi la tête, mon cher James Sack. Je vais pas te déranger, faire le SO à Elcor. N'hésitez pas à voir Elcor, hein, Elcor. Donner du love, il mérite beaucoup de love. Il mérite plus de love qu'il en est, donc c'est-à-dire beaucoup plus, deux fois plus. Et mettez-lui un petit j'aime si vous aimez bien ce qu'il fait, évidemment. Et lui donnez un petit cœur quand vous arrivez sur son live, vous lui faites des bisous, il lui donne un petit cœur et vous lui dites salut, c'est. Quand tu vois mon cher Elcor, il va dire ah bah ça va super, je suis content de vous voir. Elcor c'est quelqu'un de très gentil en plus, c'est commun. Oui, comme ça c'est un avantage, moi dans le self au lycée ils mettent toujours de la sauce et là je mange pas grand chose. Ah bah oui, forcément dans le self de lycée ils en mettent à foison de la sauce. Hein. Allez, tu vas à la tirer à rigot. Hein. Allez, oui. Allez, wouhou. Allez, trou, da da da. Voilà, c'est ça la sauce. Là-bas ça y va. Je vous dis les copains.
Voilà, n'hésitez pas à aller voir le corps. Oh, coucou mon cher Karsten, comment ça vole? Salut le love et les bisous, comment tu vas le beau Karsten? Comment s'est passée ta matinée? Toi, d'ailleurs, le corps, comment s'est passée ta matinée? N'hésitez pas à dire les copains. D'ailleurs, n'hésitez pas les amis, il y a des défis communautaires. Il y a un seul défi, évidemment. Et le défi en cours, c'est pour la soirée d'un jeu d'horreur qu'on se fera peut-être avant les vacances de Noël, où je ferai ma petite pause de 2 semaines à peu près de Twitch. N'hésitez pas à nous voir sur un jeu d'horreur, c'est dans les points de chaîne, c'est dans les défis communautaires. C'est en bas, c'est déjà à 17%, il nous reste encore à atteindre du coup logiquement 75, 77, 78, 79, 80, 82%, 83%. Il reste 83% à atteindre les copains, n'hésitez pas. Je calcule de tête et tout, attention, je fais des maths incroyables. N'hésitez pas les copains, si vous voulez voir du jeu d'horreur, ce sera en votant. Hop, attendez, parce que du coup il y a plein de mains, mais par contre j'ai Steam qui vient de démarrer, je vais enlever Steam. Hop, il dort tout le temps quand je suis sur du Zelda, hein, bien remarqué. Ah, je crois que Steam et Zelda, il y a une histoire d'amour qui se crée. Hein. Bientôt, on aura du Zelda sur Steam, je ne sais pas. Regardez, te voilà le corps. Regarde, voilà le corps, les copains. Regardez, hop. Allez, le corps. Hop. Il est là, le corps, incroyable. Hop. Hop. Petit coup, le corps. Désolé, le corps, on t'aime. On t'aime, mon cher, le corps. Hop. Oh, merci, Todd Fighter, je viens de voir ton dépense de 2000. Merci, du love et des bisous. Merci à toi. Et on est vient de passer, du coup, à combien de pourcents on est passé, les copains? On est du coup passé à 20%. GG, merci à toi encore Todd Fighters pour tes 2000 points de chaîne. Ça fait plaisir, hein. Vous avez d'autres achats de points de chaîne, n'hésitez pas également à aller voir et aller checker ça. Salut Karsten et Elcor, mais oui. Attendez, j'ai pas vu ce qui était dit en haut. J'ai vu si tu n'aimes pas. Et tu ne peux pas demander sans sauce car c'est pas cool si tu n'aimes pas. Ouais, c'est vrai, hein. Bien, et toi la pêche, ça va super Elcor, merci beaucoup. Merci à toi, ça me fait plaisir de que vous me demandiez comment ça va les copains. Merci à vous. Bah écoutez, j'ai pas dormi beaucoup mais je suis chaud aux patates avec vous là, vous êtes motivés là. Bon, c'est pas avoir autant de love de votre part aujourd'hui en me levant, j'ai dit purée, waouh. Là je vais envoyer tout ce que j'ai hein, du coup. Hein. Là c'est SFJ4, au moins Ultra Instinct minimum, hein, là, je vous envoie. Hein. Genre Goku il va se plier à genoux face à moi, hein. Je vous dis Goku, il va s'agenouiller devant son roi. Et merci Amphir, du love et des bisous, merci pour tes 2000 aussi. On a passé à combien de pourcents du coup grâce à Amphir? Merci Amphir, d'être pas obligé les copains, mais ça fait plaisir vraiment. 24%, on a quasiment atteint le quart, il nous reste 16 jours les copains. Il nous reste 16 jours, si d'ici 16 jours, le défi n'est pas terminé, hélas, il sera perdurer dans les ténèbres. Bon, moi c'est le but hein, un petit peu aussi, c'est que vos points de chaîne vous puissiez vous en servir. Et d'ailleurs dès demain lors de l'émission apprendre ou laisser vers 17h avec le ou la candidate de demain ou le candidat de demain, il y aura également une prédiction, la première prédiction de la chaîne où vous pourrez gagner des points de chaîne si vous mettez telle réponse et que c'est à la fin cette réponse là, et bien vous allez gagner une grosse somme grâce à vos points de chaîne misés. Et si c'est l'autre réponse, vous gagnez des points. Et si par contre vous perdez, vous allez perdre des points de chaîne, les amis. Donc c'est un pari risqué. D'ailleurs, les copains, ce sera soit le choix de est-ce que le candidat ou la candidate partira avec une boîte dorée ou une boîte bleue. C'est vous qui déciderez. C'est vous qui déciderez demain dans leur émission Apprendre à laisser, émission numéro 4. 4, non, c'est je commence à me confondre de chiffres avec mes mains, ça va pas le faire, les copains. Non, émission numéro 4. Voilà. N'hésitez pas, hein, c'est à vers 16h45-17h. Bon, je fais un peu de pub par rapport à l'émission Apprendre à laisser, vous mettez juste à poil TV, c'est bon. Bien, je vais faire la vaisselle, il n'y a pas de soucis en fier. Merci à toi de donner autant de love, c'est gentil. Plein de love, plein de bisous, encore merci pour tes points de chaîne. Et je vais lire les messages du dessus, je n'ai pas lu. J'arrive, je vais faire ma vaisselle. Je vais finir un petit beignet banane, sauce, chocolat. Oh là là, mais tu me donnes ça, mon cher Elcor, là. Sache, après le live, moi, je me fais un petit plat, là, je me régale hein, grâce à toi. Hein. Merci beaucoup, Elcor. Merci du love. Alors attendez, hop, ah oui, attendez, je vais parler un petit peu de ce que dit justement Karsten, c'est intéressant. Bon appétit poto, merci, je veux bien, mais ça baigne dans la sauce. Oui, bon appétit à ceux qui vont manger, c'est l'heure du midi, hein, où je live. Pour une fois, je live à l'heure du midi, enfin, sur Zelda, c'est la première fois. Et bon appétit à ceux qui mangent, régalez-vous, hein, vraiment, n'hésitez pas à manger, quoi. Régalez-vous, Max et Go. Hop, ah, je me tue une bombe ici. Il me tue une bombe ici, on l'a tous vu. Ouverture pour une bombe. Voilà, on continue. Alors du coup je vais parler de ce que dit Karsten parce que c'est intéressant. Bien avec toi, ce matin j'ai joué à Slay the Spire et à Medebot Rokusho version. C'est un RPG sur Game Boy Advance. Si vous ne connaissez pas Rokusho Medebot Rokusho. C'est ça un peu en japonais. Medebot Rokusho. Voilà. Donc si vous connaissez pas Medebot Rokusho, n'hésitez pas à aller checker ça et à vous faire la version un peu RPG japonais, je pense, hein, à mon avis, une belle petite version à vous faire. Et d'ailleurs, moi je vous dis, n'hésitez pas à regarder Slay the Spire, c'est Karsten justement qui, lors du dernier live,
enfin lors de l'un des derniers lives, il est venu nous présenter ce jeu entre guillemets. C'est pas lui qui l'a créé ou quoi, mais il l'a présenté, il l'a bien vendu. Donc n'hésitez pas à jouer à ce jeu, c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes très très bien foutu apparemment. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça. C'est intéressant, j'aime bien ce que disait Karsten sur le sujet, les copains. Voilà, le Don Alex vous recommande. Le Don Alex vous recommande, alors n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Alors, ce soir, un petit live Twitch sur qui veut gagner des Flouziou. Ah, c'est qui veut gagner des millions, c'est ça? Je suis curieux de voir les questions. Bah, c'est cool, bah oui, mais tu fais bien. J'espère que tu passeras un très bon live ce soir. Voilà. Voilà. Hop. Hop, alors attendez, je vais prendre la plume ici. Non, ça, je l'ai lu. J'ai la version US de Metabox Rokusho. Ok, donc du coup, ça va être en version américaine. Donc, du coup, si jamais. Version United States, US. Oula. Oula. Alors attendez, parce que du coup j'essaie de comprendre l'énigme là. Oulala, qu'est-ce que c'est cette énigme? Comment se fonctionne l'énigme? Est-ce qu'il faudrait que je pousse peut-être comme ça? Non, bah là c'est mort. Là j'ai bloqué le truc, hein. Ah oui. Oulala, l'énigme là elle est pas facile les copains. L'énigme là elle est pas facile, je la comprends pas trop du tout en fait. Même pas du tout. Alors attendez, hop. Ok. Alors attendez, hop. Ok, non. Quelqu'un a compris l'énigme? Parce que là, waouh! Là, c'est cuit fois 1000 l'énigme, attendez. Y a pas une autre porte au cas où que je suis peut-être en avance sur le truc là, non? Waouh! Ah, attendez, peut-être. Non, bah non, il faut faire. Ok, on va s'amuser. Attendez, peut-être qu'il faut faire ça, hein. Ok! Et c'est parce qu'aussi il y avait ça en fait. Ah, peut-être que ça fait un truc plus tard, non? Est-ce que ça restait là? Bah non. Bah attendez, je comprends pas trop là, faire quoi là. Attendez. Hop. Ok. Ok. Et après? Et après les copains? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris l'énigme? L'énigme est incroyable, hein, j'ai pas compris du tout. Clairement. Hop, j'essaie de la comprendre l'énigme. Là, elle est pas simple du tout, on va dire. Attendez, est-ce que là... On est sur une énigme un peu de Master Chef là. Hein. Hop, Master Chef. Hop. Essayez de comprendre un peu comment ça se passe là. Non, là c'est pas bon. C'est pas bon ça, on ira dans le roue forcément. Alors peut-être que je fasse ça. Hop, on va essayer une autre tactique. Est-ce que ça va être jaune? Aïe aïe aïe, c'est pas jaune. Tant que c'est pas jaune, c'est pas bon. Ah, peut-être comme ça. Peut-être qu'on va pouvoir ramener le jaune, les copains. Non, non, ça marchera pas. Activer les trois. Ouais, c'est ce que... Ah bah oui, bien vu. Voilà, t'as fait tort, c'est juste le boss en fait. Faire passer les cubes sur les trois cases avec la bonne couleur. Voilà, merci les boss, faites les boss en fait. Faites trop les boss les gars. C'est trop les boss, je viens de comprendre en même temps en fait. Quand vous l'avez dit, je viens de comprendre le truc en plus, donc peut-être les boss. Bien vu à vous, vous êtes juste au-dessus en fait. Hop, le jaune n'a pas encore passé là du coup. Mais j'ai une idée. Une idée de dingo là. Regardez, hop. Hop. Voilà. Ah, vous n'avez pas pensé à celle-là, hein. Personne n'avait celle-là, hein. Voilà. Hop, bleu. Non, du tout. J'ai dit ça, j'ai tout cassé, en fait. Ok. Ah. Et là, c'est bleu. C'est... Non, c'est bleu. Aïe, aïe, aïe. Ok, il faut construire une stratégie, hein. Bleu, jaune, bleu, jaune. Non, c'est pas bon. Bleu, jaune. Ok, le jaune est fait. Allez, pause, repas fini, je retourne travailler. Plus, merci d'être passé, mon cher Alcor. Le salut, le love et les pleins de bisous à toi. Passe une très belle journée. Bon courage pour le boulot, pour le taf. Ça fait plaisir de t'avoir vu. Passe un bon boulot, bon courage à toi. Et on te donne du love. On te donne du love ici. Voilà, on a réussi l'épreuve. Incroyable, on a une clé, c'est quoi? On a quoi en fait? Une clé. On trouve une petite clé, ça ouvre des portes et des blocs dans les donjons. Mais oui, mais cool ça. Ok, pour l'instant, je sais pas où on va utiliser la clé, mais cool. J'ai pas eu de clé, de porte à clé pour l'instant. Le bleu passe, je crois. Voilà, c'est bon, merci. Merci à vous. C'est bon, j'ai réussi à comprendre l'ennemi. J'ai du mal, regardez, bah, le corps qui part, il est juste là, il apparaît dans le jeu. Ça y est. Je vais le retourner le corps. Une sorte d'émulation qui nous attaque. Hop. Attention. Il est où le corps? Hop. Combat d'El corps. Merci pour les GG, merci à vous. Avec plaisir, merci mon cher Top Fighter. Hop. Attention. El corps qui nous regarde de. Qui nous regarde encore en... après sa pause, il est là, il nous regarde, on l'a vu. Est-ce que du coup il y a une porte à clé qui s'est délivrée? Alors à quoi ça sert la porte du truc du haut? Ça sert à rien. Peut-être une bombe, peut-être qu'il faut mettre une bombe quelque part, je ne sais pas.
Et est-ce qu'il y a une porte au-dessus? Hop. Il y a une porte apparemment, mais il faut mettre une bombe, j'en sais rien. On va tester des bombes sur les murs. Même s'il faut pas mettre de bombes, on teste, hein, écoutez. Hein. Pas de bombe. Très bien. Les bombes étaient juste un subterfuge en fait, et il n'y avait rien à faire. Ok. Le bleu se place, je crois. Ok, donc c'est le élu, excusez-moi. Hop. Alors, ici, on va retourner dans le monde d'Aladin. Alors, attendez, j'ai peut-être. Carrément, tu peux choper les vases pour les briser. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai oublié. J'avais carrément zappé ce passage, bien vu. C'est vrai qu'on peut utiliser les vases. Enfin, on peut casser les vases avec le grappin, c'est vrai. Bien vu, Carsten. Ok. On va aller voir là-bas à droite. C'est peut-être là-bas qu'il y avait une porte fermée à clé. Oh non, le jeu qui me troll. Attends, on va se remettre ici du coup. Hop, continuons. Hop, progression imminente pour le Don Alex qui vient de tomber dans le vide bêtement tout à l'heure. Faut dire ce qui est. Hop, ah, attendez, il a mal tiré. Hop, retirons. Idem avec les activateurs. Ah, très bien, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a carrément zappé. Ah, ils ont qu'ici, il y a peut-être quelque chose qu'on peut se faire maintenant. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut se faire ici, non? Aïe, aïe, aïe. Ah, attendez. Attendez, j'ai une idée là. J'ai une petite idée, les copains. Non, pas du tout cette idée là. Par contre, il me donne des bombes. Bah oui, les bombes. On peut jeter les bombes au-dessus. Attendez. Eh ben non, pas les bombes non plus. Oh là là, les gars. Mais comment on les détruit eux? Il y a une méthode que j'ai pas capté. Je vais relire ce que dit le monsieur. Hein. Je vais reparler à monsieur. Monsieur la statue. Qui va nous parler. L'odeur plaît aux monstres. Malin, malin, malin. Vous pouvez trouver une petite clé, elle sert à ouvrir des portes de blocs dans les donjons. Ah bah voilà, l'odeur, les... J'y avais pas capté la première fois. Là, je reviens, je comprends direct. Et voilà, on a compris l'énigme, les gars. En vrai, il fallait juste mettre un parfum, et en gros, les créatures font... Oh, une bonne odeur, c'est l'heure de la nourriture. Et là, ils se sont tous peut-être blessés, et bam, ils se prennent tous, en gros, la mort, en fait. La mort les attendait dans ce piège qu'on leur a fait, grâce à vous. Enfin, grâce à moi et vous en même temps, moi je récompense les copains. Je récompense les copains et les copines. Merci à vous. Merci à vous. Vous n'avez pas fait grand chose, vous m'avez aidé à me concentrer. Voilà. Et à comprendre l'énigme une deuxième fois en la relisant. Alors, on retourne en bas du coup. Non, il faut qu'on trouve là une porte avec une clé. Je sais pas, mais il y a peut-être aussi une porte avec une clé. Je ne sais pas. Ah, peut-être ici, tiens. Peut-être ici, bah oui, effectivement, peut-être ici. Attends, il y a un coffre là-bas. Aïe, mais... Attention, c'est une porte... Arrêtez! Oh, pas possible ça. Alors, il n'y a pas de porte avec une clé, par contre, je pense que nous n'avons pas fait d'autre sortie depuis. Donc, on était bloqués déjà. Ok, donc là, il y a le corps. Ok, Elcor redescend en bas, ok. Ok, on a compris le même pattern de Elcor maintenant. Il varie en fonction du haut et du bas. Voilà, on a battu Elcor. Oh, attendez, oui, une porte avec une clé du coup. Alors attendez, voyez un peu le donjon. Ah, là-bas, vers le bas, il y a une porte. Désolé, Galérémon, opération est avancée. Et salut, et re, mon cher Mimoire, re. T'as toujours le beau Mimoire. T'as toujours aussi bien, toujours aussi beau. On espère tous. Hop. Le temps d'appeler tout le monde, mais on revoit l'homme. Mais re. Plein de love à toi. Eh ben. Alors par contre, moi j'ai mal à la gorge. Il y a eu cette petite douleur. Après, c'est parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. Donc c'est pour ça qu'après le live, on va se régaler. On va se faire plaisir, je vous dis les gars. Pas de chichi, on se fait un peu un bon plan. Alors là, par contre, je sais pas comment faut faire là. Je comprends pas trop l'énigme. Je comprends pas trop l'énigme, effectivement, et la vérité là, c'est un peu le mystère de la nature. Hein. Ok, voilà. Par contre, tout ça c'est chaud à hésiter, hein. Vraiment là, 0 sur 20 la créature à affronter. Hop. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il faut faire là en fait. Waouh, là, on est sur une énigme de qualité, hein. Je vous dis là, j'ai rien compris. Attends, quelqu'un a compris quelque chose là? Attends, il y a une incompréhension à totale là. Attendez. Attendez, est-ce que là, waouh, là on est sur une énigme là. On est sur une vraie énigme. Ok. Donc tout le monde, c'est sur un seul étage. Vous êtes sérieux? Ok. Ça toujours, mais stressé. Ah! Ah oui, effectivement, courage mon cher Emile moi. Et salut à toi et à Yuzuma Proud. Salut, le love et les bisous, comment vas-tu Yuzuma Proud, comment ça va?
Ou Yuzuma, je t'appelle Yuzuma, hein, c'est mieux. Yuzuma Prod, ça fait. Je pense que Yuzuma, tu préfères, hein. Je pense que tout le monde t'appelle Yuzuma. Comment ça va, Yuzuma? C'est plaisir de te voir, du love et des bisous à toi. J'espère que tu as passé une belle matinée. J'espère que tu es en forme pour me voir galérer sur ce donjon. Faut le dire, ski, galère. Hein. Ah ouais. Bon, ok. Bon, j'avais demandé le backseat. Bon, ça va. Tu as eu tout juste, hein, Carcel. J'ai pas encore demandé le backseat, mais j'allais demander. Parce que là, du coup, j'avais pas de. Tu veux la solution? Ah, peut-être une grotte cachée quelque part, évidemment. Re, j'ai bugué, re, et salut mon cher Yuzuma, je disais, du coup, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir. Hop. Ok, donc ce sera peut-être plus loin, les gars. Ok. Ok, on va essayer de voir. On va essayer de chercher, hein. Excusez-moi, les copains. On va essayer de chercher un petit peu quand même, histoire un peu de, quand même d'avoir du fun, quoi, dans ce jeu. Hein. Par contre, pourquoi ils volent là-bas? Ok, on va essayer de chercher, il y a peut-être une entrée secrète. Peut-être qu'on va filtrer une base allemande, je ne sais pas. Peut-être, hein. Peut-être russe, non, on ne sait pas. En plus, tous les autres déjà, là. Comment ça va sinon, mon cher Yuzuma, comment ça va cette matinée? Comment tu vas aujourd'hui? Si toi aussi, tu es en mode... En mode concentré, manger, tout ça. On va chercher un petit peu. Hein. Je pense que là-bas aussi, il y a un autre truc à faire. Ah, Oracle Fade, il y a mes Zelda favoris. Ah oui? C'est tes Zelda favoris, mon cher Yuzuma. Bah, tu vas te régaler, alors. Il y a peut-être une entrée secrète quelque part. Hein. On va chercher. Ah oui, je suis obligé de dire salut. Hein. Ah, peut-être vers le bas. Aïe 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 aïe, pour l'instant, on a fait tout le sous-l'eau, on n'a rien trouvé. Hein. On va encore regarder un petit peu, et si je trouve pas les gars, je vous demanderai une solution. Ok, sous-l'eau la solution. Bon, c'est un indice de Carsten, ça va, il en dit très très peu sur ce qu'il faut faire, c'est bien. Bon, on va peut-être pouvoir chercher un petit peu. Aïe! Bah, arrêtez! Il se fait attaquer par les bouboules là. Alors attendez, on va chercher un petit peu. Un force à un solo, on va te trouver quelque chose. Hop, on cherche un petit peu, les gars. On est en mode recherche là. En mode, je suis fatigué. J'ai pas travaillé aujourd'hui, mais je suis fatigué. Ah bah, ça arrive. Hein. Ça arrive. Bon, y a rien à faire ici. Hein. Y a d'autres salles de l'eau. J'allais voir. Hop, ah, attendez. Hop, sûrement le seul que j'ai fini. Ah bah, écoute, on a fini sur la chaîne. On a fini deux. On a fini Minish Cap. Et on a fini Majora's Mask sur la chaîne, c'est déjà pas mal. Pince de salle, bah ouais, bah du coup, bah ça va, je viens de le voir. Donc on va chercher dans cette salle là, du coup. Hop. Hop, ah, attendez. Du coup là, j'ai plus beaucoup de vie. Aïe 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 aïe. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire un peu plus haut. Je ne sais pas, on va chercher un peu plus tard. Attendez, hop. Hop. Allez, on va essayer de chercher, les gars. Il y a toute une grotte secrète, quelque chose que j'ai pas vu. On va regarder, il y a de l'eau. On va regarder, il y a de l'eau, clairement, là, on voit pas. Aïe. Minish Cap, j'adore aussi, mais jamais fini. Ah bah écoute, je te le recommande fortement. De mon côté, Yuzuma, vraiment, très très bon Zelda. Hein. Clairement. Très très bon Zelda, Minish Cap. Si vous avez l'occasion de le finir, les gars, finissez-le. Attends, je vais chercher de la vie, là. On va faire une petite pause de vie, on va retourner dans le donjon. Clairement, ce donjon est pas simple du tout. Faut dire ce qui est. Voilà. Faut dire ce qui est, le donjon n'est pas simple. Il reste quand même assez compliqué. Oh, peut-être ici d'ailleurs. Je suis mort parce que j'ai voulu faire le con. Voilà. Sauvegarder et continuer. Ok, clairement. On retourne dans le donjon. Ok. On va essayer de comprendre un peu l'énigme. Hein, parce que là, du coup, on nous clairement l'énigme. Hop. Alors, on va chercher un petit peu. Là. Là. Hop, on va y arriver. On va y arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a fait deux salles. On a fait deux salles. Alors, il n'y a plus d'eau après. Hein. Je crois pas. Hein. Attendez, il y a encore de l'eau ou pas? Il n'y a plus d'eau là en vrai. C'est bizarre. Hein. Ah oui, c'est pas la bonne époque. Ah, il faut changer d'époque. Ok, d'accord. Bon, j'aurais voulu galérer un petit peu, mais bon, allez. Bon, allez, je suis gentil sur les backseats. Hein. Bon, je voulais galérer un petit peu, mais bon. Bon. Alors on va quand même aller changer, on va quand même changer d'époque. Oh, quoi? Alors, attendez, du coup.
On va dans notre époque, mais attendez, comment Ah oui, c'est Clarp là. C'est l'harpe là, voilà. Voilà. Non, c'est pas la bonne musique, c'est l'autre musique qu'il fallait faire. Oui, voilà, c'est pas la bonne musique, je suis désolé. Alors attendez, hop. La bonne musique, tac 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 tac. Attendez, réfléchis. Alors attendez. Alors attendez, hop. Attendez, je vais voir si on va aller dans la bonne époque pour avoir la bonne musique. Alors, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant de ce Zelda. Pour ceux qui découvrent, pour ceux qui aiment bien ce Zelda, n'hésitez pas à me donner votre retour. Votre retour est de mise, hein, évidemment. Hein? Quoi? Mais j'ai perdu la carte de cœur? Non. Attendez. Non, bah non. Elle avait un carte de cœur, oh non, je suis dégoûté. Ah, d'accord. Ok, et j'ai pas la bonne clé, pareil, c'est ça? Hein? Il y a une, ouais, une serrure dessus, voilà. D'accord, il me faut la clé ici. Ok, je viens de comprendre. Alors, on retourne au niveau de monsieur Dancefloor, là, il est où? Celui qui nous fait danser, là, pour avoir des... Ok, magnifique. Bébé arbre mojo, j'ai adoré. Moi aussi. Moi aussi. Et d'ailleurs, on a dansé avec lui ou pas? Bienvenue, je suis le premier danseur gracieux. Voici ma salle de danse. La danse des gros est super à la mode. C'est génial. Ah bah, on l'a pas fait lui. On a fait celui de notre époque. La danse gros. Ouais, attendez, doucement. J'essaie de chercher de moi-même, hein, mon cher Karsten. Parce que du coup, je voudrais essayer un peu aussi de galérer. Parce que sinon, c'est pas marrant. Là, je me suis douté que c'était ça. Je l'ai pas encore fait. C'est l'enfer ce moment. Bon, on va voir. Non, je sais comment faire. Tu es danseur gros doué. Tu peux danser sur n'importe quel niveau. Lequel choisis-tu? Alors, on va faire niveau argent quand même. Une chose à la fois. Argent! Tant que tu es en rythme, c'est bien. Suis-je un bon danseur? Tu es beau, le donne. Oh, mais merci, mon cher Jamesac. Du love et des bisous à toi. Merci, mais c'est gentil ça. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Mais je suis déjà en couple avec Emile-moi. Emile-moi va être jaloux. Hein. Emile-moi, il va être jaloux. Hein. Attention. Suis-je un bon danseur? Ok, on va voir ça. On va voir ça du tout. On va voir ça. 1, 2, 1, 2, 3. Attends, je me rappelle même plus en fait. Voilà. Ensuite. Ok. Voilà. De toute façon, on gère. Je me concentre. Hein. Voilà, de toute façon, on gère. On gère bien. Ah, ok, je me suis trompé. Concentre-toi. Ok, round suivant. Ok, continuons. Je me concentre. Hein. Voilà, on a géré celle-là. Encore. Voilà, de toute façon, on gère. Hein. Ça se finit à un moment donné ou pas? Voilà. Tu vas passer 8 rondes. Bien joué, tu es presque aussi beau que moi. Voici ton prix. Vous avez 50 rubis. Ah, on va voir l'or platine. Oh non, c'est trop dur. Bouge ton corps pour exprimer ta passion. Ok, donc lui, à mon avis, vous connaissez déjà le boulot. Ça va être compliqué. Attendez, je vais me soigner vite fait. Il va falloir faire l'or et platine, comme Jul. Comme Jul l'a fait, l'or et platine. C'est le moment de parler de Jul pour une fois sur cette chaîne. Parce que du coup, ça correspond un peu à ce qui se passe actuellement, hein, Jul. Ah, on parle jamais, hein. On parle jamais ici de Jul. Mais bon, là, pour une fois, on parlait de lui. Juste exceptionnellement pour cet événement, parce que l'or et platine, ça correspond à lui. Par contre, on se massacre là, wesh. C'est quoi ce monde de merde là? Moi, je vais juste venir pour m'amuser, quoi. On se massacre là. Moi, je veux de la vie. Je t'en prie, rends-moi la vie avec ta magie. Hop, allez, soigne. Ah, oh. Voilà. Allez, des cœurs, des fées, de la vie, du soin. Voilà. Allez, on va récupérer des soins. J'espère qu'il y aura une fée quelque part. Histoire quand même pour me soigner. Parce que j'ai remarqué que j'ai pas beaucoup de cœurs là, c'est chaud. Voilà, on est bien là, les copains, non? Ok. On est bien, on retourne dans la grotte. Allez, parti. On fait l'or.
On fait l'or et après platine. Hop, je vais me concentrer, hein. Excusez-moi si je parle pas beaucoup là. Pour l'or, je vais me concentrer. Allez, c'est parti. Non, alors l'or ça va être pas facile, hein. Je vais me concentrer. Hop. Allez, l'or. Oh, tant que tu as un rythme, c'est bien. Je suis un bon danseur. Vous êtes prêts, les gars? Concentration. 1, 2, 1, 2, 3, allez, c'est parti. Hein? Oh, c'est trop dur. Oh, c'est trop dur, les gars. Oh, c'est trop dur. Oh, il est trop dur. J'arrive pas à concentrer. Oh, j'ai vu. Ah, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. T'es chaud si tu rates encore une fois. Ok. C'était trop dur. Ok. Ensuite. Oh non, c'est pas ça. Bah, je vais recommencer. Ah, il va être dur. Ouh là là, les gars. C'est pas humain, bah non, c'est, ça va être trop dur. Eh bah c'est toute live dessus, je le sens, les gars. Eh bah attendez, c'est un jeu pour les gosses. What? Parce que là, les gars, ça va y aller, hein, la rage. Hein. Non, je vais pas rager. Oh là là, ah, attendez. La danse vient du cœur, en tout cas, on doit exprimer sa passion. Fais chauffer la piste, tu veux encore essayer? Oui. Tant que tu as un rythme, c'est bien. Suis-je un bon danseur? 1, 2... 1, 2, 3, alors. B, 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 A, B, A. Ah, mais non, mais il me laisse pas le temps de réfléchir. Il faut être bac plus 8, 50 000 IQ pour finir le truc. Go. B, 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 A, B. B, 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 A, B. Mais quoi, c'est ça? C'est trop dur. Dans Season, t'as le sombrosier et là, c'est les gorons. Ah, ok. Ah, attendez. Ah, c'est chaud, là. Ah, c'est chaud, là, je suis d'accord, Todd Fighter. Alors. Ok. Ensuite. B-A, B-A, B-B-A. B-A, B-A, B-B-A. Ouais, ça, ça va. B A B B A B A. Oh non, je m'en rappelle plus. B A B. Mais c'est trop dur, mais c'est trop dur. Oh non, je vais pas dépenser tous mes rubis quand même. Oh non, mais ça va être impossible. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. B B. Alors, B A A B A A B B A. Oh non, non, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, ça va trop vite. Contre-toi, 40 suivants. Ok. B, B, A. B, A, A. Ok. Ensuite. Mais ça va trop vite, j'ai pas le temps de réfléchir. C'est impossible, les gars, on va jamais y arriver, en fait. On va jamais y arriver, je sens, là, ça va être la fin. Ok. 3 fois B, une fois A, B, A. Ah ouais, j'ai pas le temps de réfléchir. Je serais réfléchi en fait, et on ne laisse pas le temps, du coup c'est chaud. Ok, bah oui, on recommence, mais là, waouh, hein. Allez. 1, 2, 3. Alors. 3 fois B, une fois A, 2 fois B, A. B, A. Mais c'est pas ça, mais le rythme, il est... En fait, les touches, ça peut le faire, mais s'il y a le rythme avec derrière, on n'arrivera jamais, en fait. C'est... Je sais pas comment réfléchir à ça, c'est impossible, mais en fait, fatigué. Pause. B, A. Voilà, j'ai pas le temps. Oh, les gars, là, ça va être l'enfer, hein. Vraiment, là, je le sens pas. C'est... Cette épreuve-là, waouh. Ça va être le chaos pour nous. Ça c'est facile,
C'est la seule qui va aussi dans le lot, je suis sûr. 3 fois B. 3 fois B. 3 fois B, A. Mais non, je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus, t'en as mis 15 000. Et sans or. C'est plus humain, c'est immortel. Même le dieu, même les dieux entiers n'arriveraient pas à faire cette énigme. Elle est trop dure. Elle est trop dure. Elle fait partie du top 1 des énigmes les plus dures que j'ai vu dans un jeu vidéo. Waouh. Résoudre ça, mais va le faire, waouh. Mais même les jeux... Cannon Fodder, Zelda, tout ce que tu veux, les jeux durs de l'époque, ça n'a rien à voir avec cette épreuve. À moins que t'aies de la chance, il ne met que des faciles, mais sinon c'est impossible. C'est impossible les gars, là, je vais y arriver. Attendez, je suis en train de comprendre, là. Ah, c'est une pure surchauffe, en plus avec la fatigue, laisse tomber, là, l'épreuve, là, c'est pas fait pour moi, sort, là, là. On n'y arrivera pas, les gars. On est en train de faire une des énigmes les plus dures du jeu, là, clairement. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres après, hein, parce que là... Ok. Ah, ça va. La première n'est pas compliquée. Ah, j'arrive pas à te retenir, il y a trop de trucs. Ah, voilà, voilà. Allez, on continue. Voilà, c'est facile. Ensuite. J'y arrive pas. C'est que on est pas encore placé une. Bah ouais, bah alors là, je sais même pas comment on va la finir cette énigme. Je sais même pas, même moi en off, il va me falloir un an et demi pour la finir. Attendez. Ok. Hein? Oh, je me rappelle même plus. Oh non! L'échec! Alors là, les gars. Je me calme. On va rester calme tout le live. On va passer une bonne journée, les copains. Vive le Mundegon. Ouais, c'est l'enfer, cette énigme. Même le monde d'Aladin qu'on avait fait, là, l'Orange de Nazira, c'était du pipi de chien. Même chercher les matchs dans Majora, c'est du pipi de chien, quoi. Non, mais attendez, what? Mais l'impossible. C'est l'énigme la plus dure de tous les temps, clairement. Attendez, waouh. Mais c'est pas humain. Même un humain, même un robot, il le fait pas. Attendez. L'objectif, c'est 6 sur 8 pour les combos de danse. Ouais, ça peut le faire encore. Ok. Bah, c'est bon. Première ronde, là. La première ronde, là. C'est bon. 1 sur 6. Tac, tac, et... Tac, et, tac, et, tac. Ok. Tac, tac, et... Tac, et... Ah, mais non, mais c'est ça. Mais j'ai retenu. Non, là, le jeu, il abuse, quand même. Là. J'ai retenu, le truc. Arrête. Allez. B A B B A B A B. Ok. Ok, c'est B A B B. Bah non, mais c'est ça, j'ai retenu. Mais non, bah arrête, mon cerveau est en train de me trafiquer mon truc là, c'est pas possible. 3 fois B. 3 fois B. 3 fois B A B A B. Ok. 3 fois B. 3 fois B. 3 fois B A B A. Ah, B B A B. Ah non, mais c'est trop dur à retenir tout ça. Ah oui, ça revient toujours. Après, il y a des trucs qui se répètent, ça peut se retenir par cœur à force. Il y a des trucs qui se répètent. C'est pas si dur que ça finalement, parce qu'il y a des trucs qui se répètent, il faut retenir les patterns et les marquer en fait. Je vais prendre une feuille bientôt, je vais marquer ça. Tessez. Voilà, facile. Facile la première. Regarde. Tac, 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 B, A. Ok, celui-là j'ai retenu. On l'a eu plus tard, on l'a eu tout à l'heure. Non, B A B B A. Ah oui, c'était ça. Mais celui-là, je le connais maintenant. Celui-là, ça va. C'est pas si dur que ça parce qu'il y a des trucs qui se répètent en fait. Non, je m'excuse. J'ai pas capté ça. Ok, ça c'est facile. Non, c'était deux fois A. Ah. Ok, bah c'est. Faut encore que je retienne des trucs, hein. Ok. Ah, c'est bon, je vais sur là. C'est bon, si on l'avait. Ok, ensuite. Ok. Non, tac, 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 un, tac, tac, un. Ok, tac, 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 un, tac, tac, un. Ah oui, je me rappelle, on va prendre des notes. Vous savez, ça va peut-être me faire retenir en vrai.
Ouais, c'est peut-être comme ça qu'il faut contenir avec les notes. On va essayer de faire des notes dans la tête. Regardez, on essaie de trafiquer notre mémoire là. Allez, 1, 2, 3, parti. Tac, 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 tac. Ok. Tac, tac. Non, je l'ai pas retenu, sûr. J'étais trop vite. Go. Tac, tac, tac. Ok. Tac, tac, tac. Voilà, celui-là est facile. Ensuite, prochain. Tac, 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 ok. Tac, tac, tac. Ok, non, c'est pas ça. Encore une fois. Ok, c'est parti. Désolé pour ceux qui arrivent et qui se demandent ce qui se passe, c'est compliqué. Hein. Ok, c'est. Voilà, ça va être facile. Ensuite, prochain. Ok. Merci, Karsten, pour tes indications. Attendez. Tac, 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 ok. Ça y est, bon. Oui! Oh là là, j'ai pour une fois celui-là, enfin! C'est. Non, tang, ting, tang, tang. Ah non, on l'avait celui-là, on aurait pu réussir presque. On commence à retenir des trucs, hein. A force, le corps il commence à retenir les trucs, ça devient un mécanisme en vrai. Alors, le truc, c'est que là, je vais me concentrer. On va peut-être pouvoir réussir cette fois. Ah, c'est une énigme, j'adore, j'adore. C'est du défi, les gars. C'est du défi. On est sur la chaîne défi ici, ça y est. C'est fini les petits jeux où on jouait à Call of Duty. Là. Non, c'est des jeux de réflexion. C'est plus compliqué, les gars. Allez, 1, 2, 3, parti. Ah, ok. C'est facile. Voilà, c'est facile. Prochain. Ok, c'est facile. Hein? Ah oui, non, c'est 3-1, 3-2-1. Ah oui, celui-là, je me trompe tout le temps. Messieurs, vous me rappelez. Ok. Tan, tan. Non, c'est. Mais hein? Mais mon manette, elle a bugué? Non, frère, arrête. C'est quand c'est chiant, là. Mais, ouais, je peux pas faire ce que je veux, en fait. Ouais, non, donc c'est dur, quand même. Enfin, il y a des trucs qui n'étaient pas là avant. Je sais que je suis toujours bien en or, hein, là, les gars. Allez, parti. Ok, c'est ça. Facile. Ensuite. Ok, c'est facile. Mais quoi? Mais c'est ce qu'il fait trop tôt. Mais il faut attendre combien de temps, les gars? Ils sont chiants avec leur temps, là. T'as mine de merde, là. Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est bon. Allez, encore. Ah, ça j'aime bien. Tac, 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 in, tac, tac, in. T'es prêt? Ça j'aime bien, tu vois. C'est vrai que je le reconnais par cœur celui-là maintenant. Ok, c'est 3 et 2. Mais si, c'est ça! Mais c'est ça le jeu! Mais c'est le but du jeu! Oh! Allez! Qu'est-ce que c'est? Voilà. Allez, prochain faut qu'on réussisse aussi. Ah, j'avais pas le dernier. Le dernier, j'ai jamais eu. C'est trop dur. Ok, donc je vais jouer. Bah ouais, mais il est trop dur le dernier. Faut reconnaître par cœur et tout. Ça va être très long. Faut que ça se reste dans la mémoire. Allez. 1, 2, 3. Attends, bah c'est plus de temps sur ça. On connaît, c'est bon. Hein? Non, mais celui-là était facile comme tout, j'ai pas réussi à retenir, je suis vraiment, ça va être embrouillé là. Qu'est-ce que c'est? Et c'est toujours trop tôt, faut attendre combien de temps? Mais c'est ça le problème, c'est le timing, il est chiant dans ce jeu de merde là. T'es. Ah, je l'avais pas. Je l'avais plus.
Ah, le cerveau commence à être en ébullition, les gars. Je suis désolé, ça nique tout le gameplay, là. Franchement, waouh. C'est dur. Faut dire ce qui est, c'est dur. Waouh, c'est en train de niquer le gameplay avec leur épreuve la plus dure de tous les temps, là. Attendez. Et encore, on n'est pas encore en platine, hein. Nous, on connaît par cœur, c'est bon. Parti. Mais j'avais... Mais c'était ça? Bah... Parce que j'ai fait trop tôt? Non... Attendez, je te fie. Voilà, tu veux que l'avais. Non, tac 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 ting tac tac, ok. Tac 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 ting tac tac, ok. Ça c'est mon clé. Ok. Ensuite. Ok. Mais pourquoi trop tôt? Mais il faut attendre combien de temps? Faut pas. Bah oui, mais j'arrive pas. S'il vous plaît, y'a pas moyen de passer le temps là qu'on ne passe ça sur le live pendant une heure, quoi, s'il vous plaît. Ah, c'est pas ça. J'arrive pas à tout retenir en vrai. Ma mémoire là, elle est trop fatiguée pour tout retenir. Faut enchaîner, ok. Ok, ça c'est bon. Ensuite. Ok. Mais pourquoi trop tôt? Je l'avais le truc en plus cette fois, je l'avais par cœur celui-là. Ça va, je l'avais, ok. Lui facile en vrai. Ok. Hein? Mais je l'avais celui-là, mais non! Mais parce que le ton il est dégueulasse dans le jeu, mais non! Oh les gars, moi j'en ai marre là du coup en vrai à Zelda, je vous le dis vraiment là. Ça commence à être relou cette épreuve. Moi j'aime pas perdre du temps à 50 ans de mandro dans un jeu, vous me connaissez hein. Moi j'ai bien amusé, mais là on a plus d'amusement là, c'est bien chiant là. Le but c'est s'amuser dans les vidéos, c'est pas casser la tête. Ah je l'avais pas. Ok, allez. Il m'a parlé et là je peux ni parler, je peux plus rien faire en vrai. Ça me... En vrai je peux... En vrai, moi je viens de ranimer les lives, mais avec ce jeu, la concentration je peux plus rien faire. Je suis bloqué dans un espace-temps incroyable. Mais c'était bon. Je voudrais pas être à ta place. Ah ouais, là, franchement, ça me détruit mon stream, ce qui se passe, là. Parce que moi, en vrai, j'adore animer. Donc, tu sais, j'adore animer le live. J'adore parler, j'adore parler avec vous, passer un bon moment et tout. Là, c'est dur. J'arrive plus à parler parce que je suis concentré, en vrai, par le jeu. Donc, je peux plus parler. En vrai, si je parle, bah, je dis de la merde et je suis plus dans le jeu. Donc, je suis en train d'être bloqué, en fait, dans mon live, en fait, sur le jeu. Et voilà, ça me pose problème. Ça me pose problème dans le sens où moi, j'ai envie d'animer le live, en fait, et là, j'arrive plus avec ce jeu. Tellement qu'il est dur, je me concentre et quand je me concentre, j'arrive plus à parler. Vous m'avez déjà vu, hein, quand je me concentre sur un jeu, vous me connaissez. Et quand c'est vraiment difficile que je me concentre, je parle plus avec le live. Et là, moi, j'aime pas animer un live. Et là, je vous dis, hein, je suis à ça de le faire en off et d'arrêter le live sur le jeu. Clairement, je suis à ça. Tu as pas grand chose là. Là, je tente 2-3 fois, j'arrive pas, j'arrête le live. Hein. Je le fais en off. Donc, on fait ça la prochaine fois, on continuera sur les épreuves réussies. C'est bon. C'est bon parce que là moi je peux passer 50 lives sur ce jeu pour cette épreuve de merde qui a rien à voir avec le jeu de base en plus. Et on est obligé de la faire pour finir le jeu, c'est incroyable ça. Tu peux pas mettre un truc comme ça pour finir le jeu, tu mets ça dans un défi du jeu, pas en... Non, ça... Là je trouve vraiment que ça va loin pour un jeu pour les enfants, de base Zelda c'est pour les enfants. Tu vas regarder la jaquette après si c'est pour les enfants, franchement là... Normalement ça aurait dû arrêter sur ça. Courage, merci mon Tarsa Fighter. J'aime pas râler, j'ai plus râlé, mais là ce jeu là, je râle pas vraiment, c'est juste un fait. C'est juste un fait dans le sens où c'est vrai, vous pensez que tout le monde pense pareil que moi, hein, dans le sens où à cause de cette épreuve, j'anime plus, et moi j'aime pas animer un live. N'hésitez pas à faire les commandes en attendant. Hein.
Alors, regardez, là, j'ai parlé, j'ai pas pu regarder. Vous voyez, c'est ça le problème. Heureusement, j'ai retenu à moitié, quoi. Allez, go. Là, j'arrive pas. Ok, encore une fois, bah oui, bien sûr. Allez, go. Ok, suivante. Ok. Mais là je l'ai. Regardez, en vrai, là, non, c'est pas le mauvais coup. Non, c'est pas le mauvais coup, je l'avais, c'est la bonne touche. J'ai fait la bonne touche, je vous jure, c'est vrai, j'ai fait la bonne touche. Je peux même parier et sacrifier ma vie pour le dire, j'ai fait la bonne touche. C'est, je sais pas, il y a un bug avec la manette, je comprends pas. Attendez. Là, j'ai plus de fun sur le jeu. Hein. Ah, c'est ma préférée celle-là. Ok, je vais me concentrer. Ah, mais là, je l'ai pas vu trop tôt. Oh, je dis plus rien. En vrai, je suis bébé, je vais me concentrer jusqu'à la fin, je vais arrêter de parler. J'y arrive pas sinon. Ok, on recommence, allez les gars. Je suis désolé, hein, vraiment là. On m'aurait dit qu'il y avait ça dans le jeu, vraiment j'aurais fait en off, hein, parce que là, en live, j'aime pas faire des trucs comme ça. Mais j'ai pas le temps de jouer! Mais j'ai pas le temps de jouer, il est trop rapide le jeu, j'ai pas le temps de jouer en vrai. Je me concentre, bah oui, je me concentre, je parle même plus avec mon chat d'amour. Y'a même plus mon propre live à cause de votre jeu de merde là. J'ai vraiment pas annulé un live. Ok, c'est là que je l'avais. C'est là que je l'avais, ok. Ensuite. Ah, je l'avais en plus. Putain, non, c'est fini. Ok. Je l'avais celui-là, mais c'est le timing là qui choque. Ok, je l'ai. Mais j'ai pas le temps de jouer, mais c'est ça qui est saoulant, j'ai pas le temps de le faire. Le jeu, laisse-moi le temps, s'il te plaît. On est en train de jouer tranquille, il est en train de nous faire péter un plomb. J'ai horreur de faire ça en live en plus de râler. J'ai horreur de ça, c'est un truc, c'est une phobie pour moi, râler en live, c'est comme détruire le stream. Et le jeu, il me stresse là. Je suis en train de trembler en fait, le jeu me fait trembler, j'arrive pas là, j'ai des sueurs froides et je suis pas bien. Ce jeu il me fait peur en fait. J'ai jamais autant peur sur un jeu vidéo que celui-là, il me fait peur. Ok. Deux fois on a réussi, continuons. Attendez. Trop tôt, allez, vas-y, on est à son monde, on en 7, allez, vas-y, continue, dépêche-toi. C'est la bonne touche. Là, le jeu commence à me casser les couilles. Là, j'arrive pas, là, j'arrête là, le live. C'est bon. J'ai la bonne touche, allez c'est bon. Bon les gars, je suis désolé, moi j'arrête ici le jeu là, il m'a commencé à me péter les couilles là, j'en arrive. C'est bon, allez, hop. Non, c'est mort. Non, on arrête là, c'est bon. Le jeu il abuse. Putain, tu joues pas un jeu en vidéo pour faire des trucs comme ça. Là, franchement, ils ont été loin et très très forts. Là, j'ai jamais critiqué un Zelda à ce point là, mais là, ça dégoûte du Zelda quand tu fais ça. Vraiment, là, je suis désolé de dire ça sur ce Zelda, mais là, le jeu il me casse les couilles. Clairement, ce Zelda il me casse les couilles. Clairement, là, c'est bon.
On va arrêter le live dessus parce que là je commence à perdre patience sur le propre jeu. Un jeu jusqu'à présent qui m'a vraiment plu. Vraiment rien à dire sur le jeu, il était cool. J'ai passé des bons moments sur ce jeu. Mais arrive ce passage, j'ai envie juste d'arrêter de faire le live sur le jeu en fait, tellement qu'il me saoule en fait. Je vais le faire en off hein, pour qu'on continue et finir le live sur le jeu, bien sûr je vais finir le jeu, mais en live je peux pas le faire ça. En live tu peux pas faire ça. Faire ça en live c'est du suicide les gens. Waouh, j'ai jamais. Alors je reviendrai pas sur la décision d'avoir allé sur ce passage. Hein. Qui parmi vous est pas d'accord avec ma réaction? Vous pouvez me le dire, hein, vraiment, là vous comprenez les gars. Vous comprenez ma réaction. Moi je râle pas pour rien, pour juste râler, je râle jamais pour rien. Je râle pas sur. Blue Band, tout ça c'est râler pour rien parce que c'est un jeu où tu dois t'amuser avant tout. Là c'est impossible. C'est rien à voir avec des jeux Blue Band, etc. Là c'est impossible en live. Impossible. Ou alors faut que t'aies bien dormi, que t'aies une bonne concentration de base, que tu es quelqu'un de très concentré, tu vas pas le faire en live. C'est impossible. C'est impossible les gars. J'ai la chute. Je suis pareil Alex. Non mais vraiment, tous les copains streamers qui regarderont cette rediff, dites-moi en off ou en privé ce que vous pensez de ce passage. Dites-le moi vraiment. Que je suis pas le seul à être fou et à me dire que je suis allé sur un passage comme ça. Je pense que tous les copains streamers ils arrivent dans ce passage là, ils arrivent pas, ils ont envie d'arrêter le jeu. Je pense. S'il y en a qui sont forts après qu'ils arrivent, bah, c'est génial en vrai. GG pour eux. Et ceux qui. Il y a plein. Je pense que tout le monde peut comprendre ma frustration. Là je peux pas me dire je râle pour rien. Râler pour rien, j'aime pas ça, j'aime pas, je suis pas sardeux, je sais quoi, je donne pas du sale gratuitement ou alors parce que j'ai envie. Là, c'est de la vraie rage méritée. C'est de la râle du. C'est un petit peu le coup de gueule. Je suis quelqu'un qui donne du love, quelqu'un d'amour. Mais là, sur ce passage-là, je peux pas donner du love, les gars. Ça t'a pris 2 semaines, voilà. Par exemple, Carsten, il vient de dire qu'est-ce que je pense au boss et qu'il faut prendre du temps pour le faire. J'ai pas fait le platine, hein. On aurait fait le platine derrière, les gars, ce serait été suicide collectif. Hein. Non, c'est pour ça autant que je le fasse en off, les gars. Il y aurait su ça, j'aurais fait en off avant, mais le problème, c'est que je savais pas, j'ai pas triché. J'ai gardé le suspense du jeu, et là, ben. Et je vais regarder si il y a des trucs comme ça qui arrivent après, parce que si c'est pour me refaire des trucs comme ça à la suite, là. Bah, dites-moi, les copains, ceux qui regardent le live en rediff, allez sur le Discord. On va mettre une catégorie rage. Et on va parler de ce passage du jeu. Tous ensemble, tout le monde est le bienvenu, tous les copains, streamers, viewers qui sont sur le Discord, vous pouvez dire votre avis sur ce passage. Vous pouvez être honnête, hein, dire que vous comprenez pas ma réaction, bon, c'est un peu, je trouve, poussé de dire ça, vous pouvez pas comprendre ma réaction parce qu'elle est logique. Pour une fois, j'étais en forme, hein. C'est pas une histoire de parce que je suis pas de bonne humeur ou quoi, genre, rien à voir, là je suis en bonne forme, je pète la forme, hein. Je passais une bonne matinée, là j'étais motivé pour le live et tout, j'ai regardé ce passage, il m'a détruit ma journée. Il m'a détruit ma journée de live, clairement. Je vais en parler peut-être pendant 5 minutes, mais c'est faut parler de ce passage. Parce que ce passage-là, il y a des copains streamers qui ont fait Oracle of Ages. J'ai envie d'aller. Je sais pas s'ils ont mis leur rediff, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Et ceux qui l'ont fait, ce qu'ils ont mis leur rediff, voudraient bien savoir ce qui s'est passé lors de ce passage-là. Il y en a, ils sont plus habitués à des énigmes en direct. Donc peut-être qu'ils ont plus facilité à être concentrés. Moi, là, les gars. Parce que moi, je suis. En vrai, après, moi, c'est parce que j'adore animer le live. C'est ce que ça joue aussi. C'est-à-dire que c'est rare qu'en live, je joue et je décide de pas discuter avec vous, de pas parler, etc. De me dire, bon, on va pas parler entre nous, etc. Là, je parlais plus. Je parle plus. Je suis concentré et je n'arrive pas en plus. 3 trucs qui vont pas avec moi. Avec le Don Alex, ça va pas. Donc voilà. Donc ça reste sur une fan stream, les gars. Ça reste sur une fan stream. Je peux pas aller plus loin, je ne peux pas entamer d'autres jeux parce que je n'ai pas d'autres jeux à faire maintenant là. Il va être 14h bientôt, ça fait 1h34 de live. Vous promets? Est-ce que tu as eu le temps de regarder le trailer de Slay the Spire? Ah pas encore mon cher Carsten, j'avoue que je n'ai pas eu le temps. Je vais regarder ça aujourd'hui, promis. Et je te donne mon retour, hein, pas de soucis, hein, plein de love à toi. Merci à ceux qui me soutiennent, vraiment. Là vraiment, c'est de la rage méritée. Pour la première fois je peux la dire, c'est de la rage méritée. C'est un passage juste là, à l'heure actuelle, avec ma fatigue. Le fait que ça arrive en plein milieu du live et en plus en faire ça en stream, c'est très dur. C'est très dur, c'est même presque impossible, voire. C'est du miracle si j'y arrive en vrai, c'est du miracle. Et je suis en or. Je n'ai même pas encore fait le platine. J'aurais fait le platine, les gars, je sais même pas comment ça serait passé. Bon, en tout cas, les copains.
Mais c'est l'occasion de te changer les idées. Merci mon cher personne. Mais oui, vous inquiétez pas, hein, vraiment je veux bien, hein, franchement j'ai pas de... C'est vraiment ce passage là, il est impossible à faire. Voilà. Et je pense que tous ceux qui sont arrivés sur le live à ce moment là et qui m'ont vu ma colère, elle est logique. Voilà, je préfère vous le dire, je préfère être honnête et cash. Elle est logique, faut la comprendre. Faut la comprendre, faut pas se dire Alex il râle sur les jeux. Je râle plus sur les jeux. Faut rien me redire, je râle plus sur les jeux de base. L'unique moment c'est là. Ce passage là de Oracle Fedis. Bah y'a personne à les raids. On va quitter. Oh, on peut avoir Kofi, mais on est pas beaucoup après. Hein. On peut faire un petit coucou à Kofi Gaming, mais on est pas énormément. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Est-ce qu'on va avoir Kofi les gars? Est-ce qu'on va faire un petit coucou à Kofi Gaming? Bon, on est pas beaucoup, je sais pas. Peut-être pas. Bon. C'est quand même pour se changer les idées. Oh, t'inquiète pas, dans 5 minutes, j'aurais oublié ce drame en live. Bon, les copains, je vais quitter le live. Mais, ce n'est pas fini la semaine, puisqu'il y a encore demain. Je vais apprendre à voler, ça va être plus chill. Au moins, on va être sur un live émission, événement. N'hésitez pas à me donner vos retours sur les émissions, apprendre à laisser. On sera là sur 16h45, 17h à peu près, si ça a changé les horaires. Je vous indiquerai ça demain. Sur Discord, n'hésitez pas à... Check le Discord, n'hésitez pas à dépenser si vous voulez vos points de chaîne pour le défi communautaire qui est le jeu d'horreur. Une soirée sur un jeu d'horreur, n'hésitez pas, on est déjà à 24%. Ça me fait plaisir, merci à tous ceux qui ont acheté d'ailleurs, du love à vous, des bisous. Et également, n'hésitez pas à voter pour le jeu qui remplacera ce jeu qui m'a énervé aujourd'hui. Hein. Faut le dire, là le mot est même très gentil, il m'a détruit le moral en termes de gaming. C'est-à-dire que là j'ai plus envie de jouer avant ce soir quoi. Alors succédant à Oracle of Age. Alors déjà ça va vite dégager en modification. C'est pas Oracle of Age, c'est Oracle of Age et c'est la première fois que je remarque, ça c'est bizarre. Quand même bizarre. Les copains, on va arrêter le live ici. Merci à ceux qui ont suivi ce live. Fort désolé pour ce passage. Ce passage il est juste démoralisant. Je vous promets que nous reviendrons sur ce jeu qu'une fois j'aurai fini ce passage. S'il faut ça durera un mois, 3 mois, 10 mois. Bon non ça devrait pas durer à ce point là, je finirai assez vite. Si je me concentre sur une journée entière. Mais quand on a fait ce passage, on continuera le donjon de l'eau. Considérez ce passage comme oublié de la chaîne. C'est-à-dire qu'on ne verra pas le passage de ce passage. Vous ne verrez pas ce passage en live. C'est impossible pour moi de le faire en live. Il sera fait en off. Voilà. Il sera fait en off, les copains. Oracle of Rage. Grave. Oracle of Age. Ah non, j'ai pensé à Oracle of Rage. J'ai bien vu. Oracle of Age. Merci. C'est bien vu, mon cher Top Fighter. Pas grave, salut Monsieur Jox, salut et le bisou à toi et du love. Comment ça Monsieur Jox aujourd'hui? Comment tu vas? Oui bah ça, c'est pas grave, dans le sens où voilà, ma colère n'est pas dans le sens où je suis fatigué ou je suis pas bien pris ou quoi. Je pète la forme. Vraiment je suis très très bonne humeur, j'ai rien qui m'énerve. Vraiment tout va bien. C'est vraiment le passage là, c'est lui qui m'a énervé. Je précise, on sait jamais qu'on pourrait penser que je suis un rageux ou râleur, non pas du tout. Ce passage là je pense qu'il aurait fait râler plus tard. Je le mets à plein d'amis streamers qui font peut-être qu'il a... Mais là ils vont réussir parce qu'ils sont très très doués en or, vraiment. Mais moi non, moi je n'y arrive pas en live, je voulais le faire en off. Bah merci, mais du love à toi en tout cas mon cher Monsieur Jox, j'espère que t'as passé une belle matinée, ça fait plaisir de te voir. Et d'ailleurs n'hésitez pas à donner du love à tous ceux qui sont présents parmi nous. Vous voulez qu'on en avoir Kofi quand même les gars ou pas? Allez, on va rester sur une fin de live et on va aller quand même vite fait faire coucou Kofi, voilà. Allez, merci d'avoir été là les copains, je vous adore, on se retrouve demain à 17h, n'hésitez pas à aller check sur le Discord les émissions à Poil TV. On va aller à Kofi, tiens, hop, allez, Kofi Gaming, c'est ça, c'est comme ça, Kofi Gaming ou pas? Hop, Kofi Gaming FR, non, pas du tout comme ça du coup, hop, toujours plus de majus que je dois mettre, on t'aime Kofi, hein. Mais c'est compliqué des fois à marquer ce avec le majuscule. Attends, hop, voilà. Allez les amis, on se laisse ici. Merci d'avoir été là les copains. On va faire un petit coucou à Kofi. Hein. J'ai vraiment l'occasion d'aller donner du love à Kofi. On va donner un peu de love. On n'est pas énormément, mais au moins on donne le maximum de love. Allez, du love, des bisous, le salut. C'était le Don Alex. Merci à vous d'avoir été là. On finit sur une bonne note, c'est-à-dire sur la positivité avec vous. Grâce à vous, je suis comme ça. Et heureusement que vous êtes là, sinon j'aurais pété les plombs sur ce jeu. Hein. Clairement. Merci à vous et puis à demain. À demain après-midi. Et puis on essaiera de faire du Zelda un peu plus calmement la prochaine fois, c'est sans épreuve dure. Des bisous à vous et merci encore, c'était le Don Alex. Ça fait plaisir de vous avoir eu. Merci Carsten, merci Todd Fighter et personne en lurk. Du love à vous et des bisous. Et tous ceux qui sont passés, merci encore à vous.
Ciao les gars.